Mince, excusez-moi. C'est ça que tu me faisais signe, j'avais oublié de mettre le micro. Voilà. Désolé les amis. Namasté, je disais donc bonjour à tout le monde. Namasté Tojiro, je disais bienvenue les Padawan curieux sur la chaîne, sur votre chaîne. Bienvenue aussi aux nouveaux. Du coup, n'hésitez pas à vous abonner si vous êtes de passage. Et donc je disais, je ne vais pas faire attendre plus longtemps notre ami Thierry, puisqu'on vous l'a déjà présenté lors de l'émission d'hier. Et puis on a déjà fait deux émissions avec, que vous pouvez retrouver facilement sur ma chaîne. Et donc voilà, je disais bonjour à tout le monde sur le chat. Désolé pour ce petit contretemps. Tu vas bien, mon ami? Ça va et toi? Ça va, Et ça va. Je monte un peu mon bonjour volume. à tous nos amis internautes qui sont avec nous. Ils sont venus nombreux, ouais. Bonsoir à tous. Namasté Christine, Sive. Il y a Tojiro qui nous fait le plaisir d'être là de la chaîne Nuria Télé, un des modérateurs de Nuria. Namasté Printemps. Patrice aussi, qui est un autre modérateur Nuria, décidément. On a toute l'équipe de Nuria Télé présente ce soir. Non, pas toutes, parce qu'ils sont nombreux, mais quand même. Ça fait plaisir de vous voir ici, puisque Nuria Télé, c'est une chaîne que j'apprécie énormément, Guillaume et Nora, et je crois que c'est ton cas aussi, hein, puisque tu as été longtemps. Je pense même que c'est sur cette chaîne que je t'ai connu. C'est possible. On est toujours très bons amis avec Bien sûr. Guillaume et Nora. Et ben on a le plaisir d'avoir notre ami Gundal aussi. Namasté, mon ami. Salut. Voilà. On va ben écouter. Donc ce soir, ben comme je vous ai dit, on a déjà fait l'introduction un petit peu du sujet. De toute façon, j'ai tout mis dans la description également. Donc je pense qu'on ne va pas trop s'étaler dans l'introduction. Ceux qui ne connaissent pas du tout ce sujet, je vous propose, vous avez deux solutions. Soit vous mettez pause, vous regarderez cette vidéo plus tard. Vous allez revoir tranquillement la première vidéo qu'on a faite où là, il a bien expliqué qu'est-ce qui était Paititi, etc. Tu vas peut-être nous faire un petit résumé, mais on ne va pas s'étaler vu qu'on a déjà fait une émission entière. Et puis ce soir, on est surtout là pour voir ben, les dernières news, tout ce qui s'est passé entre-temps, justement, depuis ces fameux 2 ans où on avait fait cette première émission. Voilà. Donc, ben, si tu peux dire en voilà, juste en 2, 3 mots, vraiment un petit résumé de qu'est-ce qu'est Paititi. Paititi, c'est la plus ancienne cité perdue que l'on recherche en Amérique du Sud, en fait, depuis l'arrivée des Espagnols au Pérou. C'est la plus mythique, la plus légendaire. Les conquistadors parlaient de la mirobolante cité de Paititi, mirobolante puisque il y a collé à cette légende celle d'un trésor fabuleux, celui de l'Inca Atahualpa, dont la Colla en 1532, en 1533 plutôt, juste après l'assassinat, l'exécution d'Atahualpa, se serait dirigé dans la forêt amazonienne, péruvienne, accompagné de 15 ou 20 000 lamas chargés d'or, serait allé comme ça jusqu'à un lieu mystérieux dont on entend parler à partir des années 1534. Malheureusement, c'est le drame de Paititi, puisque l'écrasante majorité des explorateurs qui recherchent Paititi depuis le XVIe siècle, c'est pour retrouver le fameux trésor d'Atahualpa. Et au Pérou, on parle très souvent de Paititi Eldorado, en raison de cette rançon et des fantasmes qu'elle a suscité dans les siècles suivants. On parle aussi de Paititi Eldorado, puisque la découverte de Paititi intervient quelques années après la découverte de la Colombie et du fameux lac de Guatabita, et avec les Espagnols qui purent ébahis observer un curaca, c'est-à-dire un chef indigène, se faire enduire la peau de poussière d'or et se baigner dans le fameux lac de Guatabita avec toute la population qui lui jetait des offrandes d'or dans l'eau. C'est là qu'est né le mythe d'Eldorado, l'homme doré. Et qui s'est après
qui s'est décalé sur, qui s'est reporté sur le Pérou et Païtiti après la conquête du Pérou. Et alors on parle de Païtiti, mais c'est une ville qui a pris de nombreux noms au cours des siècles. On parle de la cité des Césars, on parle de Manoa, et voilà, donc on l'a recherché dans toute l'Amérique du Sud. Alors pour nous, d'abord, salut Marie, et un petit C'est bisou aussi Marie. à Christine Ouais, depuis Belgique, loin. c'est la modératrice de Nuria qui est venue la première et qui est modératrice sur ma chaîne. Donc, bienvenue à toi. Bienvenue, on a aussi Philippe Duquesnoy. Je profite que tu avais fait une petite interruption, qui est un intervenant qui nous a parlé de Nostradamus sur la chaîne. On a vraiment du beau monde, hein, ça fait plaisir. Donc, ouais, alors, est-ce qu'il y a une différence entre Eldorado donc, et Païtiti? Eldorado, ça reste quelque chose de légendaire, mais qui n'est pas dans le réel, c'est ça? Ça a été un, comme j'étais en train de l'expliquer, c'était l'Eldorado, c'est un peu un syncrétisme avec Païtiti, puisque ce sont deux légendes qui ont fusionné en une seule après la découverte du Pérou et après Païtiti. Sauf que Païtiti a des bases historiques. Réel et solide, et que l'Eldorado, bon, je pense que ça restera un mythe Un mythe, pour nous, voilà. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, la plupart de ceux qui recherchent Païtiti depuis le 16e siècle, c'est pour retrouver le fameux trésor d'Atahualpa. Mais pour nous, Païtiti, c'est d'abord une grande relique archéologique, puisque c'est un site qui n'a sans doute pas été touché, même sans aucun doute, par les Espagnols, et qui a, alors on y reviendra sûrement tout à l'heure, mais qui a sûrement été visité et déjà pillé depuis, depuis 2 ou 3 décennies. Ah, Et par contre, on le dénonce d'ailleurs régulièrement. Et je pense que Petiti aujourd'hui doit être un site qui doit être en très mauvais état de conservation et qui a urgemment besoin d'être reconnu légalement pour pouvoir déclencher de la part des autorités péruviennes d'abord, de l'UNESCO dans le futur sûrement, mais des programmes de conservation, de restauration, etc. Alors, oui, Wendal, il y a des cartes qui localisent Païtiti, des cartes du 16e, du 17e, du 18e, mais elles sont très souvent un peu farfelues, puisque la plupart des personnes qui, dans les siècles passés, prétendent avoir découvert, rencontré Païtiti, généralement, ce sont des affabulateurs. Ils décrivent une ville avec des rues faites de blocs de briques en or, etc. Ils décrivent un peu le pays merveilleux de Candide, de Voltaire. D'ailleurs, Voltaire dans Candide s'inspire directement de la légende de Païtiti. d'accord. Voilà, donc moi, je n'ai que très peu de confiance avec. Des jeux de mots. Ouais, non, je fais très peu confiance en tout, dans les témoignages des personnes qui, les siècles passés, prétendent avoir découvert Païtiti et en font des descriptions assez mirifiques. Il y a, à la fin du 16e siècle, alors Pedro, mince, comment il s'appelle? Bon, son nom va me revenir, qui prétendait avoir découvert Païtiti, il se faisait lui-même appeler Peransúrez. Il se faisait appeler le prince de Païtiti et il prétendait dominer sur tout un royaume. Il faisait même ses propres lois et il a été arrêté par les Espagnols et exécuté en 1667. Et beaucoup de personnes ont été très tristes de la mort de Peransúrez parce qu'ils pensaient véritablement avoir localisé Païtiti. Alors que on a tout à penser que c'était un affabulateur qui prétendait avoir découvert Païtiti pour se donner un statut social,
à l'époque de la vice-royauté. Voilà, donc il y a beaucoup d'aventuriers qui prétendent être parvenus à Paititi. Moi, je ne crois que ce que je touche. Et voilà. Alors, il y a des cartes, mais les cartes, elles sont très souvent très imprécises. On voit des silhouettes de montagnes, on voit des choses. Il est très difficile de valider ces cartes. Et encore plus compliqué d'essayer de reconnaître ici ou là un pic ou une montagne, etc. Il faut se rappeler que jusque dans les années 30 ou 40 du XXe siècle, les fleuves de la forêt amazonienne étaient pratiquement tous inconnus. Donc sur les cartes de l'époque, on voit que des cours d'eau très comme ça, très linéaires. Et puis les derniers piémonts de la forêt amazonienne, de la cordillère des Andes, les derniers contreforts qui vont ensuite se noyer dans la forêt amazonienne étaient également très peu connus. Il n'y avait pas d'image aérienne, il n'y avait pas encore moins d'image satellite. Donc jusqu'à la seconde moitié du XXe siècle, toutes les cartes de ces régions-là sont très imprécises. Et il est très hasardeux de dire, ah ben lui, il est vraiment allé à Paititi. Et donc c'est toi qui a, c'est toi justement, on espère, qui va découvrir. Alors peut-être pas le premier, hein, comme tu as dit, on va voir qu'il y a malheureusement certainement eu déjà des pillages. C'est pour ça qu'il est urgent de le découvrir officiellement, puisque toi tu es un professionnel, tu as, comme je le disais hier, hein, tu as un diplôme d'historien, tu es vraiment un chercheur, et toi tu ne vas pas pour l'or, tu vas vraiment pour pour le patrimoine de l'humanité. Et il est grand temps de découvrir cette cité avant qu'elle soit complètement pillée, quoi. Bah nous on respecte tous les protocoles malgré ce que prétendent certains trous du cul des tracteurs. Nous on respecte tous les protocoles de l'archéologie moderne. Toutes les campagnes de recherche, elles sont basées sur un projet de recherche officiel que l'on remet au ministère de la Culture ici au Pérou, qui est dirigé par un archéologue professionnel avec son numéro COARP et son numéro RNEA, Registre national des archéologues. Et nos projets sont examinés, ils vont dans différents services du ministère de la Culture et ils font l'objet ensuite d'une résolution directorale nationale ou d'une résolution vice-ministérielle, qui nous permet ensuite, durant un laps de temps prévu dans le projet, de réaliser nos campagnes de recherche. Ensuite, après chaque campagne, eh bien, on fait un rapport de recherche, d'investigation, que l'on remet entre les mains du ministère de la Culture, avec éventuellement du matériel archéologique, des céramiques, etc. Éventuellement, si on en trouve, chaque objet, chaque fragment fait l'objet d'ailleurs d'une fiche technique. Et puis, au bout de quelques semaines, au bout de quelques mois, le ministère de la Culture approuve nos recherches, le rapport de recherche. Hein, c'est ça le protocole de la recherche archéologique du ministère de la Culture ici au Pérou. Et on l'a toujours respecté. Donc, et j'aimerais bien que tout le monde fasse la même chose. Parce que on est presque une anomalie ici. Hein, il y en a beaucoup qui vont. Qui organisent des expéditions de manière illégale, et pas seulement sur Paititi, hein, mais je pourrais citer Nazca ou le nord du Pérou ou d'autres régions régulièrement visitées par les pilleurs. Et les fameuses momies, etc. Alors, pour répondre, on va faire juste un petit, puisqu'il y a beaucoup de questions, je vois Gundal demander par rapport. Alors, attends, j'ai pas affiché parce que je vois que quand j'affiche, ça te perturbe un peu, du coup, parce que forcément, tu essayes de lire, ce qui est naturel. Et donc, on va essayer de poser les questions à la fin, les amis. Je vous propose, puisqu'on a beaucoup de modérateurs ce soir, même si la plupart des modérateurs de Nuria ne sont pas modérateurs chez moi, mais ils connaissent bien le dossier, je pense.
donc Tojiro, Patrice, Marie, etc. Je vous propose de répondre dans le chat aux questions quand c'est des questions assez simples. Ça évite de couper, comme ça évitera de couper sans arrêt. Puis quand il y a des questions un peu plus qui sortent de l'ordinaire ou qu'on a moins eu l'occasion de voir, je les afficherai. J'essaierai de pas afficher tout le monde parce que donc Gundel nous disait, toi et ton équipe, vous avez eu accès au LIDAR. Et donc ça, on va voir justement la réponse puisque tu as fait justement une cagnotte participative pour avoir mieux que le LIDAR, enfin mieux, je ne sais pas, mais des images satellites. Ça, tu vas nous l'expliquer. Donc c'est pour ça que je n'ai pas affiché sa question. Alors, c'est pas le LIDAR, hein. Voilà. Le LIDAR, c'est une autre technologie qui revenait beaucoup trop cher, hein. Il y a des sociétés LIDAR au Pérou, hein, mais elles demandent 70 000 dollars. 70 000 dollars pour l'avionnette, etc. Ils s'occupaient des autorisations, etc. Nous, on n'avait pas le budget, donc on s'est orienté vers des images satellites radar. Alors, les images satellites radar, alors elles ont été, alors on a utilisé deux satellites, un satellite Pléiade d'ADS, c'est-à-dire Airbus Defence and Space, le dernier satellite Pléiade Neo qui a été mis en orbite fin 2020, ah non non, fin 2021, je crois. Et puis on a utilisé un satellite SAOCOM de l'agence spatiale argentine. Et le satellite SAOCOM fonctionne à l'infrarouge et en bande L. Nous, ce qui nous intéressait, c'était la bande L. Alors il faut savoir que le LIDAR, c'est de la bande P. Il est généralement utilisé à bord de drones ou de satellites. De satellites d'avionnettes, pardon, nous on n'avait pas le budget pour ça. Donc, encore une fois, ce sont des images satellites. Et alors, à côté de cela, on a le Pléiade Neo, on a le SAOCOM et on a également la constellation Sentinelle programme Copernicus de la. Non, on n'est pas. Merci. Oui, les satellites Sentinelle du programme Copernicus de l'Union européenne. Et d'ailleurs, c'est parti. Cette opération est partie d'images satellites Sentinelle que m'a communiqué un ingénieur de l'ESA, un ingénieur allemand, début 2022. Et c'est ce qui a tout déclenché. Mais je pense qu'on va y revenir un peu plus tard avec. Plus de détails, on va montrer des images. Voilà, comme j'expliquais hier, ben, Je voudrais dire aussi, je voudrais pour rebondir un peu sur ce que tu disais tout à l'heure au début. Nous, on a été la première équipe à localiser la montagne carrée et la zone des lacs. Et alors, je défie tous les trous du cul qui bavent sur moi depuis quelque temps en disant jamais, oh, il a jamais rien découvert, etc. Bon, personnellement, bon, j'en ai rien à branler, hein, ils pensent ce qu'ils veulent, mais je les défie de nous montrer des images de la montagne carrée et des lacs avant 2012. Alors, il y a des images aériennes réalisées par l'armée pour la cartographie qui ont été réalisées dans les années 70 et 80 de tout le territoire du Pérou. Donc, forcément, la montagne carrée, elle a été archivée Je dans n'ai les années pas 70. remarqué. Ouais, voilà. Mais on a été les premiers à la remarquer. Je peux donner la date exacte, c'est le 13 juin 2012, puisque c'est la date de la première image satellite Pléiade de nos partenaires d'Airbus Defence and Space, réalisée spécialement pour nous, à ma demande, donc à la fin de ma campagne de 2011. D'accord. Quand on pensait avoir localisé cette fameuse montagne dont on entendait parler depuis 2010, et en 2011, on s'est approché alors de la vallée de Yoyato, au cœur du sanctuaire de Meghan Tony. Et moi, j'avais l'impression que de nous approcher de cette montagne à peut-être 20 km. Et donc, alors on n'avait pas pu aller plus loin parce qu'on était épuisé, on était à court de vivres, etc. On avait même été abandonné par certains des porteurs, hein, D'accord.
nous avait laissé comme ça. Et quand, à la fin de cette campagne, c'était début août 2011, bon, moi, j'avais l'intime conviction que cette fameuse montagne dont les Matsigangas nous parlent depuis 2010 devait se trouver à un rayon d'une vingtaine de kilomètres. En rentrant à Cusco, j'ai contacté mon amie Isabelle Guidolin de Spot Image, qui est devenue Astrium et maintenant Airbus, pour lui dire, est-ce que tu pourrais nous faire nous programmer une image Pléiade de cette zone-là. Alors je lui ai donné les quatre coordonnées et elle y a. Alors elle a, ils ont accepté. Et ils ont fait plusieurs tentatives parce que c'est une zone de contact avec la forêt amazonienne et la cordillère des Andes. Donc il y a beaucoup de nuages dans ces régions-là. Et enfin, en juin 2012, donc ils ont réalisé une image très propre de cette région et ils me l'ont fait parvenir ici. Et quelle n'a pas été ma surprise quand sur cette image satellite, on a observer cette fameuse montagne carrée qui semblait correspondre à ce que nous disaient les Matsigangas. Et à cette époque-là, Dominique, figure-toi que nous, alors évidemment, moi, je recherche Paititi depuis 98, mais quand on explorait les vallées de Lacoyavero depuis 2009, on pensait qu'il y avait un site principal qui devait contrôler tous les sites que l'on a découvert à Oui, Lacoyavero, à j'avais Chuchisayo, etc. Oui, voilà. Alors, on pensait qu'il devait y avoir un site qui contrôlait territorialement, politiquement ce site-là, mais c'était pas forcément Paititi dans mon esprit. Et même si c'était pas Paititi, ça devait être un site important, peut-être de l'ampleur de Machu Picchu, et donc ça valait la peine d'essayer de le localiser. alors. Quand on a découvert les images satellites Pléiade en juin 2012, eh bien, cette montagne semblait correspondre au témoignage des Matsigangas. Mais alors, ma surprise a été encore plus incroyable quand on a observé la présence de deux lacs jumeaux à l'ouest de la montagne carrée, à quelques centaines de mètres de la montagne carrée, et d'un lac carré. Or, ces lacs, eh bien, certaines légendes locales, certains chroniqueurs parlent de lacs jumeaux près de Paititi. Et d'ailleurs, le lac carré, 98%, 99% des chercheurs modernes de Paititi le localisaient dans le parc national du Manu, qui est un parc voisin du sanctuaire de Megantoni. Et ça a été une énorme surprise pour nous. Il y a certaines traditions qui disent que Paititi aurait été construite près de lacs jumeaux. Et c'était d'ailleurs le but de mon expédition Antisuyu 2009, auquel TF1 s'est associé, la fameuse zone rouge de TF1, enfin du documentaire reportage que vous avez vu hier, si j'ai bien compris. Eh bien, c'est parce que justement, là où il y a cette petite presqu'île, il y avait comme deux réservoirs et je pensais que c'était ça les fameux lacs jumeaux de certaines légendes. Bon, on s'est planté. Mais pour autant, en Et tu les as 2009, trouvés. oui, voilà, exactement, parce que grâce à l'expédition à la campagne de 2009, on a découvert les sites magnifiques de Lacoyavero. Et c'est ces sites-là qui nous ont conduits vers la montagne carrée. Et alors donc en 2012, quand j'ai vu cette montagne carrée et quand j'ai vu les lacs jumeaux, je me suis dit, ça correspond quand même à ce que l'on sait de Paititi. Et donc ça a été le départ de mes campagnes dès 2013, parce que 2012, on a été accaparé par Machu Picchu et des chambres souterraines qu'on a localisées sous le temple des Trois Portes. Donc ça a été une parenthèse. Et en 2013, on a repris nos recherches en forêt amazonienne et on a accumulé énormément de témoignages.
de la part de Matsigangas, mais également de Kukapakuris et d'Achaninkas, de Megan Tonic, qui nous ont confirmé que là, il y a un site plus important que Machu Picchu, plus important que Choquequirao. Et il disait Paititi. Et d'ailleurs, au début, je pensais que Paititi, ça vient du quechua Paikikin, qui veut dire égal à, semblable à, jumelle. Et eh bien moi je pensais comme mes amis Nicole et Herbert Cartagena, qui ont été des pionniers de la recherche de Paititi dans les années Ce qu'on voit dans le 70. reportage, hein? Oui, un couple magnifique franco-péruvien. Herbert Nicole est Pau. parti. Herbert est parti malheureusement il y a 2 ans. Et eux, ils pensaient que Paititi, Paikikin égale à, ça pouvait être une référence à Paititi, une ville secrète, une capitale secrète amazonienne, égale à Cusco. Cusco, la capitale impériale, la ville politique. Et Paititi, la capitale du savoir, la ville de la connaissance, où l'on apprenait l'astronomie, le maniement de la calca, l'écriture, etc. Et longtemps, moi, j'ai pensé que c'était la bonne explication. Je l'ai écrit dans mes bouquins, etc. Mais dernièrement, ces dernières années, je me suis dit que Paititi, ça doit être une référence au lac Jumeau. Il y a énormément de mots à travers le monde, en France, etc., dans les vieilles villes gréco-romaines. Eh bien, le nom est très souvent une référence géographique. Et je pense que Paititi égale à, eh bien, c'est tout simplement une référence au lac jumeau, à la présence des lacs jumeaux, d'autant plus qu'on pense que Paititi aurait été construite sur les rives de l'un de ces lacs jumeaux. Et je pense que c'est le plus logique. Et c'est ce que l'on voit en plus dans cette zone-là, quoi. Les amis, vous allez voir tout ça. On va vous montrer. On a la chance, comme je vous ai dit hier, pour ceux qui étaient présents, mais il y a beaucoup de monde qui est là ce soir qui n'était pas présent hier, hein. Donc, un petit résumé. Hier, on a regardé un reportage qui est accessible, que vous pouvez voir ou sur l'émission d'hier qui est en replay ou sur la chaîne Thierry Jamin. Je vous ai mis le lien dans la description normalement. Et donc, il y a un reportage sur TF1 qui date de 2010. Donc, c'était l'expédition de 2009 dont tu viens de nous parler, hein. Et donc avec ce fameux couple franco-péruvien, je ne comprenais pas trop pourquoi le monsieur ne parlait pas, donc maintenant je viens de comprendre, c'est lui, il était péruvien, d'accord. Pourquoi Ah c'était ben, péruvien? il est. Alors, je ne sais pas de qui tu parles, le barbu. Oui, le couple de Français qui était avec vous. Ah, mais ils sont franco-péruviens. Hein. Herbert, sa mère, qui s'appelait Le Pelletier, elle est d'origine normande. Ça a été la première guide française, francophone, de Machu Picchu dans les années 60. Donc Herbert est tout à fait était tout à fait francophone et Nicole est française, hein, elle est de Normandie bon, elle vit ici, hein, J'ai depuis dit des des années. Et bêtises en Nicole et Herbert, comme je le disais, ont recherché Paititi dans les années 70. Ils ont écrit un bouquin, Paititi, dernier refuge des Incas en 1980 chez Robert Laffont. Et ça a été les premiers à découvrir des traces scientifiques, des preuves scientifiques de la présence d'un grand site archéologique en forêt amazonienne. Lorsqu'ils ont découvert dans le parc national du Manu les ruines de Mameria. Mameria, c'est une vallée. Au fond, il y a une rivière, le Rio Mameria. Alors, ça vient du vocable Machiganga Mamé, donc ça veut dire il y a pas grand-chose. Et de fait, il n'y a pas beaucoup de poissons dans le Rio Mameria, et ça vient sûrement de là, le mot Mameria, le vocable. Et Nicole et Herbert, donc, ont découvert plusieurs petites cités agraires dans la vallée de Mameria. Ça a été encore une fois la première preuve concrète, la première preuve archéologique de la présence permanente des Incas en forêt amazonienne, et donc de la probable présence de Paititi quelque part dans la région. Et Nicole Herbert pensait que la ville pouvait se trouver quelque part plus au nord de Mameria. Et c'est toi qui aurais découvert ce fameux Pucharo, Ah non, non. les hiéroglyphes. Alors, Pucharo, c'est vraiment un site
très très important. Il a été découvert au mois d'août 1921 par un frère dominicain, Fray Vicente de Cenita Goya. Et lui pensait que il voyait dans la roche principale des sculptures qui pouvaient s'apparenter à des lettres latines, et il avait pensé que les apôtres, après la mort et la résurrection de Jésus-Christ, étaient partis en Amérique pour évangéliser les Indiens. Donc, alors nous, en revanche, alors on a fait beaucoup de campagnes à Pucharo pendant des années, et on a réussi à trouver la filiation culturelle des pétroglyphes de Pucharo, parce que certains qui cherchent Paititi pensent que c'est une paroi qui aurait été gravée par une civilisation perdue amazonienne il y a des milliers d'années. Ils parlent de l'Atlantide, certains parlent même d'extraterrestres. Et nous, on a pu démontrer qu'il s'agit d'une roche qui a été réalisée par les Incas. On a trouvé plusieurs, il y a plusieurs signes à Pucharo géométriques que l'on appelle les tocapus, que l'on retrouve sur la céramique ou des tissus incas. Et puis, on a trouvé une magnifique croix andine, la mascarpone. Pardon ? On la voit ici sur la photo. Non. Elle est plus haut. La chacana. Et la chacana, c'est un symbole de l'Empire Inca, puisque chaque branche de la chacana correspond à l'une des quatre grandes régions, les Suyus, de l'Empire Inca. Et la branche de droite correspond à l'anti-Suyu, c'est-à-dire la partie amazonienne de l'Empire Inca. Et puis surtout, à Pucharo, on a pu découvrir le profil admirable d'un sapin Inca, c'est-à-dire d'un empereur Inca. Et c'est la signature définitive de la filiation culturelle de Pucharo. J'ai d'ailleurs écrit un bouquin ici au Pérou en 2007 sur ces recherches. Et alors, pour autant, c'est pas parce que ça date de 500 ans, la fin du 15e siècle, que ce n'est pas incroyable. Figure-toi qu'il y a des pétroglyphes qui apparaissent et qui disparaissent un peu comme par magie à un moment bien précis de la journée, à partir de 11 heures du matin, par exemple. Il y a certains pétroglyphes qui apparaissent. Il y a notamment, à un moment donné, on voit trois soleils. Un soleil levant, un soleil au zénith et un soleil couchant. Ça, c'est comme une boussole, si tu veux. Ça te donne le nord. Et les mêmes pétroglyphes de Pucharo, eh bien, ont été représentés sur la paroi. Et d'ailleurs, on les voit. C'est ce visage. Et avec au-dessus, tu as une croix et t'as un symbole en zigzag. Il faut savoir que ce visage-là que l'on voit anthropomorphe, il regarde directement dans la direction d'une gorge, et à gauche de la, alors ça doit être à l'ouest, sur le versant ouest, il y a un gigantesque géoglyphe en forme de visage anthropomorphe. Et en fait, ce visage anthropomorphe, il regarde la paroi principale de Pucharo. Et ce que l'on voit là, ce visage où là, il y a... C'est pas Pucharo là, ce que j'ai affiché. Pardon ? C'est pas Pucharo ce que j'ai affiché ? Si, c'est un pétroglyphe. Mais face à cette paroi principale, il y a un géoglyphe. Un géoglyphe, c'est une figure immense qui doit faire 250 mètres de diamètre. Et ce visage de 250 mètres, il regarde la paroi principale, et notamment ce visage un peu comme en miroir. Et en fait, et donc cet ensemble de glyphes, le visage plus la forme en zigzag, c'est un peu un, comment dire, comme dans une carte, un point rouge où il y a marqué vous êtes ici. D'accord. Et donc c'est en fait cette paroi principale, parce qu'il y en a quatre au moins. C'est une carte géographique mémoire réalisée par les Incas à la fin du 15e siècle pour aider les voyageurs de l'époque à se déplacer dans la forêt amazonienne sans se perdre. Et on pense pour atteindre un site principal, et on pense
à Paititi. D'accord. Mais donc cette paroi, ben, comme le dit Marie, j'ai pensé pareil, hein, très juste, je pense que c'est ça. Le truc que tu dis qui apparaît, qui disparaît, c'est en fonction des ombres, de la lumière, non, de la Oui, forme. ouais. Et on a même trouvé encore plus fort avec Alain Bonnet en 2000, en 2006, toute la paroi principale, la partie principale de cette paroi qui semble brute, et ben en fait, un soir avec des lumières, et bien on a réussi à découvrir plus d'une dizaine, il y en a peut-être une vingaine de figures. Pratiquement invisible avec la lumière du jour au-dessus de cette paroi. Et alors c'est des scènes presque cosmogoniques, assez émouvantes d'ailleurs, et je pense qu'on a été sûrement les premiers depuis l'époque Inca à les apercevoir. Même les Matsigangas qui vivent dans sur ce territoire ne connaissaient pas leur existence. Tu Il y a une vois? super méthode, j'ai vu ça au sujet de des qu'on appelle ça des manuscrits d'Amer Morte, hein, des fameux manuscrits. Il y a une super méthode, je pense qu'elle a dû être utilisée, ou en tout cas elle pourrait être utilisée, où en fait on éclaire justement quand c'est des écrits où on voit pratiquement rien, ou ce genre de choses, justement, comme tu dis, qui étaient quasiment invisibles, effectivement, en éclairant dans différents angles, et après maintenant avec l'informatique, ça permet de réunir et d'optimiser en fait au maximum et de faire ressortir des choses qui étaient complètement invisibles à l'œil nu, à la lumière du Oui, jour. c'est ce que l'on a fait notamment à Pucharo, également C'est sur les Bocas un Nazca d'ailleurs, entre parenthèses. Et donc, ça nous a permis de faire des découvertes extraordinaires à Pucharo. Et après la campagne de 2006 au pétroglyphe de Pucharo, je suis resté avec la conviction que Paititi se trouvait quelque part au nord-ouest de la paroi principale. Et ça a été le but de ma campagne de 2009, donc qui a été couverte en partie par TF1. Et tu vois la montagne Carrée et les lacs. Et ben si tu regardes une carte, ils sont au nord-ouest de Pucharo, c'est-à-dire à peu près là où on pensait l'avoir localisé. Il y a plein de choses là dans la carte que tu montres, plein de choses intéressantes. Il y a des profils. D'ailleurs, dans les documents que tu as, on voit des profils animaux que je t'ai dans les D'accord. photos que tu as. C'est un peu plus haut, un peu plus bas, tu te rappelles Bon, ou je ne sais pas, c'est dans le même. tellement. Ouais, on voit des. Non, ça c'est un gros plan d'une autre image. Non, non, Ça non, doit être ça plus c'est bas. les pyramides de Paratoari. Ouais, voilà. Mais si tu peux dézoomer. Oui. Attends, ouais, j'avais trop zoomé, effectivement. Là, on voit toute une série de profils animaux. À Ah oui, droite. pour un inculte comme moi, c'est vrai que c'est difficile à déchiffrer, mais c'est vrai que quand on est habitué comme toi, vous arrivez à voir ce que ça Alors, représente. à droite, il y a le fameux profil de l'Inca. Et en fait, au-dessus, il y a le Yotu et la Mascapecha qui l'identifient comme empereur Inca sur la partie supérieure. Ici. Et puis, ouais, non, mais même au-dessus, ici, là, il y a la Mascapecha. Et elle apparaît bien de la nuit avec une Une torche, lumière. torche, ouais. Ouais, Là, c'est voilà. vrai que je n'avais pas vu, mais effectivement, on voit bien le profil. Je vais essayer de vous le montrer, les amis, avec la souris. On voit bien un profil d'Inca avec les yeux ici, le nez, la bouche. Il y a même l'iris dans les yeux. Et alors, ce qui est assez marrant, c'est que l'œil de l'Inca se transforme en tête de singe. C'est D'accord. dans le de singe araignée qui se tient debout sur ses pattes antérieures avec la queue enroulée comme ça. Et la tête du singe, c'est l'œil de l'Inca. D'accord, ils se sont servis pour faire les deux images, quoi. Oui, voilà. C'est ensuite à gauche il y a un lama. Ensuite il y a un poisson dorado. Et au-dessus du poisson il y a une croix d'ailleurs. Et cette croix, elle est à la verticale du soleil au zénith. Et à mon avis, elle localise Pucharo. D'accord. Et puis à gauche du poisson il y a le profil magnifique
d'un félin, un puma, si ce n'est peut-être un jaguar. Et donc, il y a tout un bestiaire. S'il y a aussi un petit peu plus bas, alors je ne l'ai pas entouré, il y a un serpent à gauche de El Inca Tupanca Yupanqui, à droite. À droite, il y a le profil d'un serpent encore à droite, juste à coller aux parenthèses en jaune. Ouais, ici, Lula, Ouais, d'accord. là, il y a un serpent. Mais Ah, ailleurs, on retrouve des tortues, on retrouve d'autres poissons, d'autres singes. C'est une paroi qui est vraiment très, très vivante. ça rappelle les hiéroglyphes de Nazca, hein, comme quoi ils ont bien été faits par le même peuple, apparemment. Ah non, 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 là, je ne suis pas d'accord. D'accord. Pucharo a été réalisé par les Incas et Nazca a été réalisé par les Paracas et par les Nazca plusieurs siècles et même plusieurs millénaires avant les Incas. Ah bon, d'accord. OK. Et donc, ce qui est intéressant dans Pucharo, il y a d'autres parois, mais c'est la présence d'idéogrammes, c'est-à-dire de figures géométriques qui ressemblent beaucoup aux hiéroglyphes des Mayas, par exemple, et qui pourraient renvoyer à l'existence d'une écriture. Et pour moi, c'est ça le grand trésor de Pucharo, c'est que pour moi, c'est la pierre de Rosette des Incas. Grâce à la paroi principale, on a pu localiser une douzaine de sites archéologiques. Parce qu'encore une fois, c'est une carte géographique mémoire. Et on s'est aperçu, par exemple, que sur certains sites, il y a un signe en forme de point d'interrogation. D'ailleurs, dans le glyphe où l'on voit Pucharo, là, le portrait et la silhouette, eh bien, entre la gorge, on voit ce même signe en forme de point d'interrogation dans un cartouche. Et on s'est aperçu que quand il y a ce signe-là, eh bien, il y a de l'eau, soit des rios, soit des chutes d'eau. Et donc, ce signe en forme de point d'interrogation, dans la langue la Quelca, la langue perdue des Incas, eh bien, ce signe renvoie peut-être à de l'eau, un rio, etc., etc. D'accord. Ce qui renvoie encore une fois à l'idée que certains glyphes correspondent à une écriture. Et pour moi, c'est ce qui fait de Pucharo vraiment un grand trésor unique au Pérou et qui a besoin d'être protégé. Et voilà quoi. Oui. Alors, je vois qu'on a d'autres. Attendez, je vais vous montrer, puisqu'on a d'autres images. Il y a Comme j'ai même pas une vidéo. Ah, la. ça, ben là, voilà, ça c'est une image très intéressante. C'est le profil de l'Inca. Et on voit bien sur l'image de droite la mascarpaïcha et le yotu. C'est-à-dire Alors, la qu'est-ce que c'est que la frange qui scarpette? saignait le front des Incas. Et là, je l'ai comparé avec un croquis du chroniqueur Guaman Poma de Ayala. Et on voit que c'est vraiment la copie conforme de ce profil magnifique de Pucharo. Et donc, il n'y a aucun doute sur la filiation culturelle inca de Pucharo, malgré ce que prétendent certains. Et donc ce petit Non, elle n'est pas, je réponds, oui, à plus sûr. Giro, malheureusement, Pucharo, c'est dans la zone historique du parc national du Manu, sur le territoire des Matsiganga. Et ce qui se passe, c'est que pendant des décennies, peut-être des siècles, il y avait une petite forêt face à la paroi principale. Mais en 2010, il y a eu une saison des pluies très, très importante ici au Pérou. Et le rio Palotoa, a changé son cours. Il a détruit la forêt. Et aujourd'hui, le rio coule au pied de cette paroi. Et alors, en période de pluie, on peut imaginer, ça c'est le soleil au zénith, là que tu montres, on peut imaginer qu'en période de pluie, eh bien, il y a des rochers, des troncs qui viennent buter contre la falaise et ils pourraient abîmer le message de Pucharo. D'où la nécessité de faire
des ouvrages de protection, mais malheureusement, ce n'est pas faute d'attirer l'attention régulièrement du ministère de la Culture, mais aujourd'hui, 13 ans après, 13 ans après, ben, c'est toujours un site en danger. Et d'ailleurs, pour la petite parenthèse sur Poucharo, contrairement à ce que disaient certains détracteurs, justement, où tu as répondu en vidéo, tu as cette chance et cet honneur, quelque part. On a choisi tes photos, justement, de ce site pour faire une pièce au Pérou, hein. Oui, alors il faut savoir que le directeur de la direction de culture de Madre de Dios, c'est un très bon ami à moi, Pepe Molero, et c'est lui qui a proposé il y a plusieurs années au ministre de la Culture, à Lima, d'utiliser les pétroglyphes de Pucharo comme symbole du département du Madre de Dios pour frapper une monnaie de 1 sol. Et donc, j'ai été contacté en janvier, début janvier 2015 par le directeur de la Banque de réserve du Pérou. D'ailleurs, je pensais que c'était une blague hein, qu'on faisait, j'y croyais pas trop. Bon, alors, ils ont confirmé, bref, et ils m'ont demandé mon autorisation pour utiliser ces photos pour frapper la monnaie de 1 sol. Et la monnaie a été inaugurée en mars 2015, j'ai été invité à participer à l'inauguration. Et ce qui me fait le plus plaisir, c'est que en haut de la monnaie, je l'ai là, je pourrais te la montrer d'ailleurs, hein, il y a marqué Petroglyphos de Pucharo, siglo 1516. C'est-à-dire qu'ils ont adopté mon hypothèse qui démontre que Pucharo, c'est l'œuvre des Incas et non pas d'une civilisation perdue il y a des milliers d'années. Ah, Alors si je suis certains d'accord. trous du cul de certains un certain Olivier de ces je sais plus quoi fait des polémiques, ces mecs-là ils parlent sans savoir. Des fois, tu vois, il y en a qui auraient besoin de. Enfin, Je vois ce que tu veux dire. Il y a des paires de claques qui se perdent hein, parce que ces mecs prétendent tout savoir et en fin de compte, ils ne savent rien. Eh bien, si ce trou du cul nous regarde, eh bien, c'est grâce à nous que cette monnaie a pu être frappée à 12 millions d'exemplaires. Et c'est même ma grande fierté parce que je me dis que pour la première fois depuis l'existence du Pérou moderne, eh bien, une partie de la légende de Païtiti a été gravée sur une pièce ou sur un billet, Oui, ça puisque. laisse ta trace, quoi. Tu laisses Oui, un. voilà. Et je me dis que dans 30 ans, dans 50 ans, dans 100 ans, 200 ans, je serai poussière, mais il y aura toujours dans un coin du Pérou une petite pièce de monnaie d'un sol qui rappellera quand même le travail qu'on a fait ces dernières années. Pour C'est. répondre à. Enfin, excuse-moi, pour répondre à Gérald, un peu ce qui meurt qui est poli, SVP, Thierry, il faut comprendre, c'est qu'il y a des gens qui l'attaquent sans arrêt, alors qu'au bout d'un moment, il faut comprendre que ça peut faire un peu péter les plombs. Mais Ah oui, c'est non, avec beaucoup d'amour, toujours. mais moi, je réponds, c'est ma mère qui n'est plus là, me disait quand j'emmerdais mes sœurs, Thierry, il est taquin. Et donc, j'aime bien taquiner les gens et les détracteurs, ils me font pas plus de. Ils me Ouais, faut font dire que rigoler. hier on a des détracteurs qui se sont permis d'être très impolis aussi. Donc voilà, ils n'étaient pas là pour le voir, Thierry, mais voilà, c'est vraiment la réponse est à la hauteur de l'attaque. Non, mais Une réponse proportionnée. je me fais toujours une malice et même un plaisir de répondre à ces gens-là parce que c'est vraiment des gens qui ne connaissent pas le sujet et qui prétendent le manier. Enfin, bref. Moi, ça me dérange pas les critiques dès l'instant où on peut répondre. Voilà, tout le monde est d'accord avec toi. Tu vois, il y a Bourriquet qui dit que le debunking, il y a zéro preuve dedans. C'est le vide sidéral. Merci. Donc, alors, pour revenir aux choses sérieuses, on va avoir une petite question de Gundal. Thierry, as-tu des objets qui ont appartenu à Païtiti? Mais non, parce qu'il n'a pas découvert physiquement, quoi. Ben, on ne l'a pas découvert physiquement et puis on aurait découvert des objets. Il ne serait pas chez moi, sinon au ministère de la Culture, parce que nous, on est. Merci Christine. Et nous.
Moi, je ne suis pas collectionniste. Quand j'étais gosse, j'étais assez collectionniste, mais pas étant adulte, je me suis assagi et je pense que le patrimoine culturel, il doit être dans des musées et il doit faire l'objet de recherches et mise au grand public, tel comme les momies d'ailleurs hein, de Nazca sur un autre thème. Et donc, non, je n'ai pas et je ne veux rien de Paetiti. Tout doit Ce que être. tu voudrais, c'est le remettre au patrimoine de l'humanité, et puis ça serait génial que ce soit toi qui l'aies découvert quelque part. Et puis nous, en tant que Français, on peut avoir cette fierté aussi d'avoir un Français qui aurait découvert cette cité. En tout cas, on l'a localisé et l'histoire retiendra sûrement qu'au moins on l'a localisé. J'espère qu'on arrivera quand même à officialiser l'existence du site. Je pense qu'on en reparlera. Mais en tout cas, je pense que la localisation que l'on a avec la montagne carrée, etc., c'est celle de Paetiti. On est sûr à 99,99999% que c'est bien là où se cache Paetiti. Alors, je vous propose, les amis, qu'est-ce que tu en penses, Thierry? On commence à regarder un petit peu parce que tu m'as fourni pas mal de vidéos, de photos et tout ça, pour pas faire une vidéo de 5-6 heures. Si tu veux, on commence déjà un peu à regarder la vidéo d'animation. Bah, je ne sais pas laquelle dont tu parles, mais La vas-y. toute première, où on voit l'animation en 3D, où on voit un petit peu cet endroit avec cette fameuse montagne carrée. Bah, vas-y. Alors, hop, je vais essayer de la mettre. Normalement, alors certaines, il y a du son, d'autres, le son est baissé, j'ai vu, mais je ne peux pas le remonter. Ça a été fait à l'origine, apparemment. Je ne sais pas si sur celle-ci, il y a du son, mais Oui, en tout parce que c'est un support que j'utilise pour mes voilà. conférences ici au Pérou. Voilà, alors je vais mettre pause parce que justement, je vais vous dire un grand merci à Thierry et vous avez de la chance, mes amis, les Padawan curieux, puisque Thierry, là, nous a fourni vraiment toute la conférence qu'il a fait justement au Pérou pour essayer de convaincre les autorités de donner. Puisque c'est une région protégée, il faut avoir des autorisations pour pouvoir monter une expédition, pour avoir une chance d'aller trouver cette fameuse cité perdue. Donc, on a la chance qu'il nous a partagé ça. Un grand merci à toi, Thierry. C'est Avec super plaisir. intéressant. Alors, donc là, c'est magnifique hein, comme image, si tu peux commenter un peu. Ben c'est pour donner un peu l'idée du site. Hein. La montagne carrée en elle-même, elle fait 1 km de côté. Et la zone des lacs fait 1 km sur deux. Là, la montagne carrée, c'est que cette petite partie-là, hein. Ouais, voilà, ça fait 1000 mètres Bien de côté. carré, hein. Et alors, c'est assez marrant parce que, comment dire, la montagne, elle fait 1000 mètres exactement. J'invite nos amis qui regardent cette émission à aller sur Google et à mesurer avec le Google, hein. curseur de Google. Et ils vont voir que ça fait exactement 1000 mètres. Or, évidemment, les Incas ou leurs prédécesseurs n'avaient pas l'unité métrique. Et ce qui est intéressant également, c'est que le lac Carré, qui est à 500 mètres, 600 mètres à l'ouest, ouais, voilà, il fait 100 mètres exactement, 100 mètres de côté. Ça, c'est incroyable quand même, parce qu'on a un peu le Alors, même phénomène avec les pyramides et tout, c'est qu'ils ne sont pas censés connaître le mètre et on retrouve des sites où il y a des mesures en mètres vraiment précises, quoi. voilà. Et alors, ce qui est assez marrant, c'est que on a une montagne carrée de 1000 mètres de côté, on a un lac carré de 100 mètres de côté, et puis entre les deux, on a deux lacs jumeaux en forme de 8, voilà, au nord et au sud, deux lacs jumeaux symétriquement disposés. Moi, je ne J'aurais dû sais pas, prendre mais mieux si, après, ouais. comment, moi, je me demande comment la nature peut-elle Ah oui. faire produire ce genre de choses, parce que c'est, il y a vraiment des symétries, on croirait vraiment une zone artificiellement aménagée. C'est incroyable. Or, on ne peut pas imaginer les Incas et même leurs prédécesseurs tailler une montagne de 1000 mètres de côté et tailler des lacs, etc. Ils n'avaient pas la technologie, même pour nous, ce serait un peu compliqué. Et donc, c'est assez impressionnant et presque énigmatique, cette,
cette zone-là. D'autant plus que les natifs de la région en parlent comme d'une zone enchantée. Ça, c'est encore autre chose. Oui. Et c'est vraiment une zone très bizarre, très, très curieuse. Indépendamment du trésor archéologique qui se cache sous la forêt de cet endroit, c'est une zone vraiment très particulière. Les natifs de Mégantonie nous ont raconté des choses extrêmement curieuses sur cette zone-là. Ils ont des légendes qui correspondent avec des sites que tu as observés, quoi. Pas exactement, mais il parle de phénomènes célestes, de choses comme ça, très très bizarres. D'accord. Alors nous qui sommes passionnés d'ufologie, oui, pourquoi pas, hein, imaginer quelque chose dans ce genre. Y a mon ami Fabrice Bianchin qui a fait une séance de remote viewing en 2016 de vision à distance de cette région et il a indiqué un numéro de dossier à sept viewers. Il y en a un qui vit, un ou deux qui vivent au Mexique, d'autres en France. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'ils ont tous fait la même description. Et pourtant, ils n'avaient aucun élément d'appréciation. Ça pouvait être un bar à Paris, à Oui. Montmartre, ou un parc à Tokyo, ou un gymnase à Los Angeles, Il n'y n'importe avait quel. aucune indication, oui. C'est Ouais, ça qui est voilà, fou, le remote viewing. qu'une référence de dossier. Et ils ont fait des croquis. Tu te demandes comment cette technique fonctionne. Mais c'est vraiment bluffant. Et ils ont tous communiqué avec l'impression que cette zone était vraiment assez curieuse, sans D'accord. rentrer trop dans. Alors, Gérald, tu nous dis, les Juifs l'ont fait pour le temple d'Hérode en 26 avant Jésus-Christ, pour l'Hérodion et Masada. Tu parles de. L'ont fait quoi, le remote viewing, le fait d'avoir taillé des montagnes, de quelle chose tu parles exactement? Pendant ce temps, je vais laisser défiler parce qu'il y a toujours un décalage avec la vidéo, le temps qu'ils répondent. Donc voilà, on voit. Là, c'est une animation 3D qui a été faite pour la conférence, c'est ça? C'est pas Oui. des images satellites, là. Non, 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 ce sont des images. Ah ben, c'est à base d'images satellites, hein. Mais ça a été fait. C'est Alain Bonnet qui l'a réalisé. Et il a un logiciel spécial qui est utilisé pour certains films, etc. Et on a une très C'est belle magnifique. Hein? perspective. Ok, c'est magnifique vraiment. Alors, on va passer à la suivante. Après, on a des photos. Il y en a 104. Alors, on va passer certaines assez vite, sinon ça va vraiment être long. Et sur celles que tu juges qui sont plus importantes, tu pourras un peu plus t'attarder. Alors, le fait d'avoir taillé des montagnes. Ah, d'accord. Les Juifs l'ont Oui, fait. alors, Cela, c'est beaucoup plus vieux, quoi. Hein? c'est-à-dire que les Incas n'avaient pas le fer, ils n'avaient pas le bronze, ils utilisaient un amalgame, un alliage qu'on appelle le champi, qui est un mélange, un alliage de cuivre, d'argent et or. Et donc, ça n'a pas Mais c'est la fini. dureté qui aurait permis de tailler ce genre de roche. Et donc, rappelle-nous, c'est quoi comme roche? Tu sais à peu près ou pas du tout? Qu'est-ce qu'il y a en tête? Là, je vais te dire des bêtises, mais la montagne carrée ressemble à de la roche karstique, c'est-à-dire une roche un peu. C'est pas calcaire, mais c'est dans la famille des calcaires. Ah, Et super, ok. le fait qu'il y ait des lacs comme ça, comme le lac Carré, montre que dans le des conduits naturels. Dont se sont peut-être appropriés les civilisations qui ont vécu dans cet endroit. Nous, on pense que les Incas n'ont pas construit Païtiti, mais que c'est une culture plus ancienne, D'accord. probablement les Huari, avec une réoccupation tardive des Incas.
Parce que les Incas, quand ils parlent de Paititi, il y a notamment un chroniqueur qui s'appelle Garcilaso de la Vega, qui est né à Cusco et qui est mort en Espagne au début du XVIIe siècle. Dans sa chronique de Floride, il parle de Paititi et il dit que à l'époque de Huayna Capac est mort en 1427. Non, 1527, pardon. Il est mort en 1527. Et donc, à l'époque du règne de Huayna Capac, l'un de ses fils avait épousé une princesse de Paititi et ils étaient partis vivre à Paititi. Et quelques décennies plus tard, le prince est revenu à Cusco et Cusco était déjà occupé par les Espagnols. Et donc, on a l'impression que même pour les Incas, Paititi était un lieu un peu mystérieux, un peu mythique, un peu éloigné, qui ne faisait Mais pas c'est qui véritablement m'aurait fait. partie, voilà, qui ne faisait pas véritablement partie de l'Empire Inca. Et alors, je pense que après la chute de l'Empire Inca, il y a certains Incas rebelles, après la mort d'Atahualpa, il y a Manco II et ses fils, hein, ses trois fils. Et je pense qu'eux ont dû utiliser Paititi comme refuge pour échapper aux Espagnols. Pendant 40 ans, il y a eu une guérilla jusqu'en 1572 avec l'arrestation de Tupac Amaru. Et je pense qu'ils ont dû utiliser Paititi pour se réfugier. Et Oui. donc, on trouvera à Paititi de l'architecture wari, c'est-à-dire l'architecture un peu des cités de Lacoyavero, mais également des constructions un peu similaires à ce que l'on trouve à Machu Picchu, c'est-à-dire de l'Inca impérial de la fin du 15e, du début du 16e siècle, l'époque de la conquête espagnole. C'est une hypothèse, hein. Pour resituer un petit peu, donc les Incas, c'est quelle période? Les Huari, c'est quelle période à peu près? Alors, les Incas, ils apparaissent au début du XIIIe siècle, vers 1200. Et les Huari, on va les mettre un petit peu avant l'an 1000, un petit peu après. Les Huari succèdent en gros à Tiahuanaco, D'accord. hein. Et on pensait qu'ils avaient occupé le Pérou, le sud du Pérou, autour du lac Titicaca et un peu vers la côte. Et ça a été une grande découverte en 2010 lorsque des archéologues qui ont fait des investigations à Vilcabamba. Vilcabamba, c'est un site archéologique qui est situé à l'ouest de la zone de Paititi. Quand ils ont trouvé une tombe d'un chef Wari avec plus d'une centaine d'objets en argent, etc. Et ça a été une grande découverte qui démontrait que les Wari avaient occupé aussi une partie de la forêt amazonienne. Et je me souviens que dans un journal de l'époque, il disait, il y a sûrement un site principal, sans nommer Paititi, qui doit exister dans la région de Vilcabamba. Et il devait sans doute faire allusion à Paititi. Et donc, selon notre compréhension du terrain de cette région, pour nous, Paititi a sûrement été construite par les Huari et réoccupé par les Incas. Donc on trouvera au moins les deux architectures quand on pourra y accéder et l'étudier. C'est souvent le cas hein, dans les anciennes civilisations, souvent et même dans la nôtre. Hein, souvent, les églises ont été construites dans d'anciens temples, qui étaient construits eux-mêmes dans des lieux sacrés avec avec des mégalithes, etc. Souvent. Oui, les Romains ont utilisé l'architecture des Étrusques dans le sud de la France et de l'Italie. Ils ont réoccupé des sites grecs, des sites arabes au Moyen-Orient, juifs, etc., au Moyen-Orient et dans l'Afrique du Nord. Donc, toutes les civilisations ont fait ça. Ils ont utilisé les techniques de leurs prédécesseurs. Alors, on va un petit peu vers le point, parce que là, du coup, il y a eu plein de questions. Donc, Tojiro qui demandait si la conférence est disponible. Donc, c'est la conférence que tu nous as partagée, donc elle n'est pas disponible, hein, je pense. C'est une Non, non, conférence. C'est non, pour ça que je te disais merci. non. Avec Voilà. plaisir. Ensuite, il y avait plein de questions. Merci de nous partager. Donc, oui, il y avait la semaine qui nous disait merci de nous partager vos connaissances, la passion qui vous anime, Thierry. C'est gentil Merci. de le reconnaître. Il y a un ami youtubeur qui fait des vidéos sur la vape, mon ami Mialev. Bonjour, bienvenue. Je crois que c'est la première fois que je te vois sur la chaîne, ça fait plaisir.
Tu as des émissions que je regarde souvent. Ben non, ben alors voilà, tu me contredis. C'est pas la première fois que tu viens. J'avais pas lu le message en entier. Ensuite, écoutez bien ce monsieur. Namasté Camion Laurent, merci. Merci. Jawa chez nous. D'accord. Il y avait Tojiro qui demandait s'il y avait des cénotes aussi dans cette région. Si c'est un Ah peu ben, calme. justement, là, je pense que le lac Carré, ça pourrait être un cénoté. Et Garcilaso de la Vega a dit qu'une grande partie de la rançon d'Atahualpa avait été, c'est-à-dire les objets en or de la rançon, ont été jetés dans un lac près de Paititi. Et je pense, moi, à la lagune, au lac Carré. En espagnol, ça se dit laguna. Et le lac Carré, qui a l'air très profond et qui pourrait être comme un cénote. Les lacs jumeaux en forme de 8, j'ai l'impression qu'ils sont peut-être artificiels. Et quand on a fait l'opération de survol à très basse altitude, on devait se poser, on n'a pas pu pour On différentes va voir raisons. une petite vidéo de ça aussi tout à l'heure. Ouais. Et on a noté la présence d'un système de canaux qui semble relier le lac Carré aux deux autres lacs. Et l'une des grandes hypothèses de la fondation de Paititi, c'est que les Incas ou leurs prédécesseurs auraient trouvé dans ces montagnes-là des mines d'or fabuleuses. Et ils auraient construit une ville à côté pour exploiter les mines. Et donc les lacs jumeaux pourraient très bien être un système pour laver le minéral. Une Oui, équipe de preuves. c'est prévu. On a même un drone subaquatique pour faire le. Alors c'est ce qui me rend un peu optimiste parce que je pense que Paititi a déjà été pillé. On y reviendra, mais je pense que les militaires qui ont sans doute pillé Paititi n'ont pas eu la technologie pour aller Et oui. sous-mariner dans les lacs. Puis Et quand c'est pas officiel, il notamment. faut qu'il aille vite, c'est pas pareil. Vous, si vous avez les autorisations, vous pourrez prendre le temps, vous pourrez faire des recherches, ce sera Alors, pas. il y a un objet en or que décrit Garcilaso de la Vega, c'est la chaîne en or de Huascar, qui faisait 250 mètres de long, qui a été fabriquée sur ordre de Huayna Capac pour commémorer la naissance de l'héritier légitime, Huascar, donc le demi-frère d'Atahualpa. On l'appelle la Yawirca. Et c'est une chaîne, alors les chroniqueurs disent qu'elle avait la grosseur d'une cuisse d'un homme, et il y avait des tuilettes en or pour représenter un serpent. Et les Incas, il fallait des centaines d'Indiens pour la soulever et la faire déambuler dans les rues étroites de la ville impériale. Et Garcilaso de la Vega raconte que la Yawirca aurait été jetée dans un lac près de Paititi. Et je doute fort que les pilleurs ont récupéré la Yawirca. Donc il y a au moins ça qui peut être sans doute récupéré de la rançon Il y aura les d'Atahualpa. pierres, il y aura quand même, quoi qu'il arrive, il y aura les pierres et tout. Ce qu'ils cherchent, c'est l'or, Ah bah bien les sûr, voilà bien les. sûr, mais si tu veux, la Yawirca, au-delà du fait qu'elle est en or, mais c'est même pas de l'or pur parce que il n'y avait pas la technique connue chez les Incas, mais peu importe, pour nous, c'est l'objet historique et sacré que constitue la Yawirca et sûrement d'autres objets qui doivent exister, rester toujours cachés dans les entrailles de Paititi. Alors, on a une question intéressante de Philippe, qui est quelqu'un d'assez, comme je vous ai dit, hein, qui est déjà venu sur la chaîne et qui est assez cultivé sur tous ces sujets. Donc, il nous dit, un des premiers chercheurs Lope de Aguirre, je ne sais pas si tu connais, s'est Oui, engagé sur l'Amazone, mais a atteint l'Atlantique en descendant l'Orénoque. Comment, selon toi, a-t-il changé de cours d'eau et les Péruviens? ben, il faut. Alors, tout dépend d'où il est parti, mais s'il est parti par le Rio Alto Madre de Dios, le Rio Alto Madre de Dios débouche dans le Rio Manu, et le Rio Manu sur des affluents de l'Amazone. Donc, il a très bien pu. En utilisant des fleuves amazoniens, déboucher vers le grand fleuve amazonien, puisque les sources du Rio amazonien, naissent dans la cordillère des Andes. D'accord. Ok. On va revenir. Alors, attends, je regarde encore vite fait ici, une ou deux petites questions. Technique de fertilisation des sols. Ok, bonsoir.
Bonsoir, Namasté Sébastien, m'ordonne Scully, longue vie et prospérité. Hop, je l'affiche. Patiti serait donc une cité fondée sur une base. En partie. Alors, je vais afficher aussi ça, ça a l'air intéressant. Namasté Christophe, serait donc une cité fondée sur une base. Alors, je lis à chaque fois parce qu'il y a des gens Oui. peut-être qui voient Alors, anthropologie. c'est très intéressant ce que dit Christophe. Effectivement, Paititi, à l'origine, serait un centre d'exploitation métallique. Moi, j'ai un très bon ami qui s'appelle Raoul Delmar Ismodes, qui c'est l'archéologue qui nous accompagne dans le documentaire de 2009 avec TF1. Et lui a découvert un site dans le département de l'Apurima qui s'appelle Curumba. C'était un centre métallurgique des Incas. Et il y a 2500 fours de fonte pour faire fondre les métaux, si tu veux. Et Paititi devait être un centre minier. Pour l'exploitation de l'or, tu vois. Et Alors, je me souviens qu'il y a une vingtaine d'années, on m'avait montré un plan, une carte d'état-major des années 70, du gouvernement péruvien des années 70, où il recherchait de l'or justement dans ces montagnes, le Panchacolla, qui est très aurifère. Il y a énormément de mines clandestines hein, dans ces régions. Et donc, ce n'est pas étonnant qu'ils aient trouvé de l'or dans ces zones-là. Gérald, merci à toi d'avoir été là. Pour vous situer, donc j'espère que ça ira, je sais que tu es malade. Pour vous situer un peu, Gérald, je vais sûrement le recevoir, enfin, c'est sûr même, je vais le recevoir dans les prochaines émissions que je ferai. C'est quelqu'un qui, on n'a même pas choisi le sujet parce qu'il s'y connaît sur pas mal de sujets, donc je vais avoir le plaisir de le recevoir, vous le découvrirez. C'est quelqu'un qui a très peu de Ça sera un visibilité sur plaisir. YouTube, voilà, mais qui a une très grande culture sur la Kabbale, sur la Bible, sur la magie, le druidisme, enfin plein de choses. Donc on va choisir un des sujets et vous le reverrez. Je te souhaite une excellente nuit, mon ami, et merci d'avoir été là. À bientôt, Gérald. Alors, hop. Et donc, ok, on va repasser un petit peu aux photos parce que comme je disais, il y en a énormément, on n'est qu'à la deuxième. Alors, hop, je remets le partage. C'est tellement intéressant, il y a tellement de choses à dire que... Ouais, ça c'est le début. Je pense que tu peux passer le début et venir à la carte de Meghan Tony, du sanctuaire de Meghan Tony. Ouais, ça c'est les diplômes, les bouquins. Voilà, je passe assez vite et tu me dis quand je Ouais. m'attarde. Hein. Ah bah tu peux. Là c'est nos zones de recherche depuis 98. À l'est, le parc national du Manu, et puis. Au sud, la vallée de Lac Collavero et au nord, le sanctuaire national de Meghan Tony où l'on est actuellement. Avec le pétroglyphe de Poucharo pour vous situer un peu ce dont on parlait tout à l'heure. Hein. Voilà. Voilà. Alors, hop, là, Alors on a des fameuses pyramides. ce sont les fameuses pyramides de Paratuari qui sont à l'origine de ma passion pour le Pérou et pour Paititi d'ailleurs. Et des pyramides qui ont été localisées par un satellite américain d'observation de la Terre, un Landsat 2, le 31 décembre 1975. Et à l'époque, on pensait qu'il pouvait s'agir des ruines d'un site archéologique perdu en forêt amazonienne. On parlait même de cités atlantes ou égyptiennes et même déjà d'une base extraterrestre. Et D'accord. donc, quand j'ai découvert ce site dans un article au début des années 80, je me suis dit, c'est ça que je veux faire. Je veux percer le secret de ces pyramides. Et donc, j'ai fait toutes mes recherches, toutes mes études universitaires dans la perspective de faire des expéditions pour aller percer le secret de ces pyramides de Paratuari. Et je me disais, bon, pour faire des expéditions, il faudra que je sois crédible, il me faudra des diplômes, etc., etc. Donc, c'est ce qui m'a poussé à aller faire des études d'histoire géo. Et donc, au final, c'est des pyramides naturelles ou c'est Alors, oui, au final, elles sont naturelles, c'est ce qu'on appelle des dents du diable, mais certaines ont dû être retravaillées par l'homme. d'accord. On a trouvé énormément de matériel archéologique au pied des pyramides. Et j'ai longtemps été persuadé, je le suis toujours, qu'une petite cité
À un moment donné, je pensais que Paytiti était peut-être caché quelque part dans le secteur. C'est Bien pour ça sûr. que j'y suis resté pendant des années autour du Paratoiri. Mais on n'a rien trouvé. Mais il devait exister une petite cité une cité comme celle de Mameria, D'accord. reliée aux pyramides, parce qu'on a trouvé énormément de matériel militaire, on a trouvé du matériel domestique, et comme des mortiers, ou des haches, etc., qui montre que les Incas ont vécu près des pyramides, donc ils connaissaient l'existence des pyramides. Et donc, pour eux, la forme pyramidale, c'était un peu ce qu'on appelle dans la civilisation inca, un Intihuatana, c'est-à-dire un lieu où on amarre le soleil. On en a un à Machu Picchu, par exemple. Et donc, imaginons un lieu où il y a 22. Parce qu'il y a 22 pyramides, 22 Intihuatana. Donc, je pense que les Incas, connaissant l'existence du Paratoiri, ont dû penser que c'était un lieu sacré. Jusqu'à nos jours, d'ailleurs, les montagnes, etc., sont considérées par les paysans dans la culture andine comme des apus, comme des lieux sacrés. Et donc, les pyramides ont dû être un lieu vénéré à l'époque des Incas. Et donc, il y avait sûrement une petite cité. Relié en liaison, on va dire, avec les pyramides. Et cette cité, on ne l'a jamais trouvée, mais elle doit exister, elle doit forcément exister, parce qu'on a trouvé du matériel qui démontre la présence d'un site permanent dans cette région. Comme je le disais, du matériel agricole, etc. Et puis, on a trouvé aussi des pierres fatiguées. Des pierres fatiguées, c'est des pierres sculptées, monolithiques, très très grande, qui était utilisée généralement dans la construction d'édifices importants. Et des pierres fatiguées parce que elles ont été laissées sur place, elles n'ont pas été transportées pour X raisons, peut-être en raison de la conquête espagnole ou une épidémie, que sais-je. Et donc, il y a une petite cité, encore une fois, on ne l'a pas trouvée. Mais en elle-même, le Paratoiri, c'est un site naturel où il y a d'ailleurs une énergie très négative à l'intérieur. Non? Ouais. Nous, on a. C'est très électrique dans le Paratoiri. Il nous est arrivé plein de choses désagréables. Et il y a énormément. C'est un chaos géologique et il y a énormément de dangers dans les pyramides. Il y a énormément de serpents. Nous, il y a des anacondas, des chuchupés, il y a des rergona. Une fois, en 2001, je me suis trouvé face à face à un jaguar, avec un jaguar. J'ai eu la peur de ma vie. Hein. Un gros chat, quoi. Et on l'a filmé. Hein. Et il y a des tapirs, il y a des singes, il y a énormément de caïmans. Vraiment, c'est magnifique. Hein, mais c'est un lieu très. Très, très perturbant. Style. Et par rapport à Paititi, on est loin là ou c'est pas du tout la Ah ben même oui. région? Ah ben là, on est à 10 km au sud de Poucharo. Donc, on est à 250 km au sud-est de la montagne Carrée. D'accord, ok. On va un petit peu avancer. C'est là où le lidar aurait toute son utilité, nous dit Bourriquet. Eh oui, mais c'est tellement cher, comme tu dis. Alors, hop, là, Bon, ben, ça, on a. c'est la communauté d'Abaroa qui est près de Poucharo. D'accord. Voilà, on les a vus tout à l'heure. Je vais essayer de passer les quelques trucs qu'on a déjà commentés. Hop, ça, on ne l'a pas vu. Ben voilà, Ah ça, ben c'est ça c'est l'éclairage. la paroi dont je parlais tout à l'heure, qui est c'est la partie supérieure de la paroi principale de Poucharo, où jusqu'en 2006, on pensait que c'était une paroi naturelle. C'était la roche brute. Or, grâce à des lumières artificielles, on s'est aperçu que ces parois étaient couvertes de pétroglyphes. Il y a notamment cinq individus et il y a une scène très Hey. émouvante. Il y a une scène émouvante où on voit un guerrier avec le bras gauche, il a un blason avec un symbole solaire. Et sur son bras droit, de son bras droit, il tient une tête coupée C'est qui qui est celui-là? c'est en bas. Oui, Là, hein? voilà, c'est celui-là. Et une tête coupée, on voit les cheveux qui pendent. Et c'est sûrement une scène
De l'époque de la conquête des Incas dans cette partie de l'Antisuyu, on est à la fin du 15e siècle sans doute, et c'est des scènes cosmogoniques très émouvantes. Et on a par exemple vu, observé au-dessus du soleil au zénith, il y a une double spirale inversée qui ressemble à une galaxie et qui, à mon avis, correspond à la Voie lactée. Et puis, on a une comète avec une queue panachée qui se dirige vers la Chacana, symbole de l'Empire Inca. Et on pourrait très bien y voir une sorte d'ovni, enfin des ufologues pourraient y voir un ovni qui se dirige vers l'Empire Inca. Ça Là, pourrait être... c'est situé où, ce que tu me dis, là, la comète? Allez, là, tu ne l'as D'accord. pas dans... Tu Ah, ne l'as d'accord. pas dans cette... Elle est peut-être sur une autre image. Sur celle-là, non. Sur Mais celle d'à côté, non plus. faut Alors, réduire... oui, attends, parce que c'est vrai qu'on ne voyait pas, j'avais un peu Alors zoomé. là, on voit les différents personnages avec le personnage central qui tient un blason avec un symbole solaire et de son autre main, de la main gauche, une tête coupée. Et C'est fou, hein? c'est assez émouvant et c'est assez émouvant parce on était sûrement les premiers à les voir depuis des temps immémoriaux. Merci Marie. Alors là, on les voit un peu, là, on les voit un peu, ces pétroglyphes, mais parce qu'on avait mouillé la paroi pour les mettre en évidence. Sinon, on ne les voit pas. Ce sont plus des bas-reliefs, d'ailleurs. Alors ça, ce sont les fameux géoglyphes Ah oui, d'accord. qui sont face à la paroi principale. Ah oui, effectivement, c'est immense. Là, ça fait penser aux géoglyphes de Nazca. Ouais. Ou bien Alors, tu m'as dit ouais, que ce n'est pas la même. que tu pointes. Je pense qu'il devait être complet, il devait avoir un nez, une bouche, mais la nature a dévoré progressivement les Oui, c'est géoglyphes. étonnant. Parce que Et là, c'est avec des arbres et tout. le plus important, c'est le numéro 1, qui est hors écran. Hop. Voilà, c'est celui-là qui Oui. regarde droit, et c'est presque la version fidèle La du petite tête. pétroglyphe qui est sculpté. Et il se regarde un peu comme un miroir. Et en fait, tu vois, je pense que ces géoglyphes, à l'époque inca, devaient signaler la présence des pétroglyphes de Pucharo, une carte géographique mémoire. Ils devaient attirer l'attention des voyageurs de l'époque inca pour trouver les pétroglyphes qui devaient leur indiquer la route vers Paititi. D'accord. Et là, je suis dans l'un des géoglyphes. Aujourd'hui, c'est des immenses canaux qui sont en partie bouchés par du matériel organique des siècles passés, hein. Là, oui, d'accord. Mais on les voit encore, tu vois, on voit encore Ah oui, on voit l'ouverture. bien là. Ça, c'est super intéressant. Alors là, c'est une vidéo. Là, c'est Pucharo tel qu'il est actuellement. Alors, Là, il faut... on va essayer de bien la cadrer. Et Hop. tu peux mettre le son parce qu'il y a mon ami José Casafranca qui parle pour Oui, alors là, je crois que le attirer son. l'attention des autorités péruviennes. Là, je crois que le son, il était très faible. Là, je ne peux pas le monter, comme je disais, tu vois. Là, si j'essaie de monter, ça ne monte pas, en fait. C'est bloqué. Bon, ben, l'image parle Non, d'elle-même. mais bon, ça va, on entend. Il me semblait, c'était peut-être pas celui-là. Et là, on voit bien. Mais tu vois, on n'entend pas bien quand il parle, par Ouais. contre. Et là, on voit bien que le rio coule au pied de la paroi Ah principale, oui. là où avant il y avait une forêt. C'est vraiment à côté, oui. Ah ben c'est carrément au pied. Et en période de crue, des troncs d'arbres, des pierres peuvent abîmer la paroi et on peut perdre ce message magnifique qui nous vient du passé. Oh, ils font, ça dépend, Marie, ils font des dizaines de centimètres jusqu'à 60 centimètres. Alors, je profite qu'on n'entend pas bien ce qu'il dit pour te répondre, Deber. Je pense que malheureusement,
Ta question est intéressante, mais je pense que là, si on rentre dans ces trucs-là, la vidéo va durer 5 heures. Ce qui te demandait l'origine de s'il y a une origine commune entre les Mayas, les Toltèques, les Incas. C'est tellement passionnant tout ça, voilà, il y en aurait pour des heures à expliquer tout. Donc on va essayer de rester centré. Les Mayas sont antérieurs aux Incas, En quelques mots, voilà. à peu près. Ah mince, j'ai appuyé pour me remettre dessus et du coup j'ai mis pause. C'est génial, hein, toutes ces vidéos. Vraiment, encore une fois, un grand merci à toi, hein, de nous Bah avec fournir plaisir. ça. Je crois que c'est exclusif, hein, du coup, ça a été diffusé nulle part, jusqu'à maintenant. En France, non, on les a jamais diffusés. Ça n'a jamais été public, hein. Donc Non. voilà, vous avez la primeur, les Padawan curieux. Et là, donc là, c'est la fameuse monnaie d'un sol qui a été produite à partir des photos de mon bouquin qui est sorti en 2007. Et la personne avec laquelle je suis là, à droite, Je m'en fous. alors tu vois, Oui, je en vais te le haut, montrer là, après. Là. ouais, en haut de la pièce, est marqué Petroglyphos de Pucharo, Je vois siglos bien. 15, 16. C'est-à-dire qu'ils ont retenu l'hypothèse que Pucharo, c'est bien de la civilisation Inca. Et Génial. à droite, ouais, si tu passes à droite, bon, bah, Alors, on va redécouper. c'était le jour de l'inauguration. De gauche à droite, il y a le blaireau, là, si j'ai bien compris. Au centre, il y a Cecilia Bakula, qui est l'ancienne directrice nationale de ce qui est devenu aujourd'hui le ministère de la Culture. Et à droite, c'est Pepe Molero, mon grand ami, mon frère, directeur de culture de Madre de Dios, grâce à qui la monnaie a vu le jour, parce que c'est lui qui avait proposé Pucharo au ministre de la Culture. Ouais, c'est super. Ce n'est pas possible que le Donc, gouvernement fasse rien pour sauver ces pétroglyphes. Bah, les pétroglyphes, ils sont un peu en danger, comme tu disais, par rapport. Mais là, on ne peut pas faire grand-chose, hein. c'est-à-dire que il faudrait détourner le Rio Palotoa, et donc il faudrait mettre de gros blocs de roches pour essayer de J'ai lui tourné le restaurer nez, quoi. le cours d'avant, quoi. Mais bon, ça veut dire faire venir des machineries assez importantes dans le parc national du Manou. Et Ça oui. a un coût, c'est possible, mais ça a un coût, et je pense que malheureusement, ce n'est pas la priorité des autorités péruviennes. Il ne protégera pas quand même des pluies, des autres intempéries. En fait, ce qu'il faut, c'est surtout faire une reproduction. Là, il y aura la pièce déjà qui restera. Et ce serait bien de faire des reproductions bien fidèles, peut-être, ou Ouais. de Oui, bien protéger, quoi. sûr. Moi, je m'y suis attelé. Hein. Pendant des mois, j'ai travaillé dessus, bah, pour le bouquin et pour un film qu'on prépare avec Alain Bonnet. On a fait toute la paroi principale, la paroi secondaire, la troisième paroi. Mais bon, ce serait dommage de perdre ce message qui nous vient encore une fois d'une civilisation disparue. Bien sûr. Alors. Ouais, c'est incroyable cette histoire. C'est vraiment ma plus grande fierté d'ailleurs. Hein. Là, on est à Mameria. L'image que tu montres, c'est Mameria, dans le parc national du Manou. Et il y a différents villages On va voir après, il y en a plein, ouais. qui ont été édifiés par des paysans quechua de l'époque Inca, parce que c'est de l'architecture pirca, c'est-à-dire c'est de l'architecture rustique. Et il y a des kilomètres carrés de culture en terrasse, et on trouve aussi des pétroglyphes là sur l'image de gauche, et sur l'image de droite, c'est un four qui faisait deux niveaux, et malheureusement en 2009 quand on y allait, eh bien il y a un arbre qui s'était effondré sur le four et qui avait endommagé, pratiquement détruit la partie supérieure du four, et il ne reste plus que la partie inférieure. Et donc là, on a des fondations de maisons incas, de paysans incas du 15e, 16e siècle. Et imagine-toi que jusqu'à aujourd'hui, on trouve encore sur certaines des cultures en terrasse de la coca de l'époque des incas.
Oui, parce que c'est sacré là-bas, ils le mâchent, hein. C'est pas la drogue comme ici, on a la cocaïne qui est bien. C'est une plante cérémonielle très respectée. Et bien jusqu'à aujourd'hui, alors aujourd'hui, un plant de coca, ça mesure 1 mètre, 1 mètre 20. Et bien les coca que l'on trouve sur les cultures en terrasse de Mameria font 4, 5, 6 mètres de haut. Hein. C'est de la coca sylvestre. On voit qu'elle est ancienne, quoi. Une histoire tellement riche au Pérou, dommage que ça ne soit pas suffisamment préservé, ce n'est pas touristique. Mais après, ça peut devenir très vite, hein, s'il a la chance de découvrir Paititi, je pense que ça peut très vite devenir touristique après, hein. Ben nous, on essaye de mobiliser justement sur tous ces sites, parce que ces sites, on va parler de ceux de Lacaux, là, dans les photos qui viennent, ces sites de Lacaux conduisent directement vers Païtiti. Voilà, là, c'est un peu tous les sites. Ça, c'est un village qui s'appelle Umapata, un village colonial. Et tu vois, l'église a été construite sur les fondations d'une pyramide. Ah oui, il se Ça gêne s'appelle pas. un nousnou, et on voit encore les niches sur les 2 premiers degrés de cet nousnou. Ça, C'est c'était d'ailleurs. des pour mettre des trucs cérémoniaux, des petites statuettes, des choses comme ça. Oui, voilà. Et alors là, on ne le voit pas dans l'image, mais tout autour de l'église coloniale, il y a des constructions incas, il y a des temples qui sont D'accord. abandonnés, bien sûr. Umapata, ça veut dire l'entrée dans la montagne. Et c'est le premier site archéologique que l'on trouve dans la première zone de la vallée de Lacaux, et donc qui verrouille l'entrée de Lacaux. Et donc, là, ces petites maisons qu'on a vues juste auparavant, ça serait le couple de Français dont on parlait tout à l'heure Oui, qu'on a vu hier, qui l'a découvert. ils ont D'accord. découvert en 1979. Parce que toi, il y a des choses que tu as découvertes toi aussi, j'ai vu dans le Tout reportage. à, tout à, tout à, tout à fait. Mais c'est une zone qui est tellement riche. Euh, Donc, on va voir les choses que tu as découvertes. Il y en oui, a dans les. oui. Ouais. Ça, c'est un temple. C'est un temple à Umapata. Peut-être un tombeau où on trouve des milliers de céramique, de tessons de céramique de l'époque inca. Ça, tu vas sûrement retrouver à Païtiti parce que si les petits morceaux comme ça, ils vont pas tout ramasser les pilleurs, je pense. Oui. Ça, c'est le deuxième site qui s'appelle Wayamojo, alors que l'on n'a pas découvert, qui a été découvert en 1959 par un archéologue péruvien, Núñez del Prado. C'est le seul site de Lacaux qui était connu avant nous, si tu veux. D'accord. Tous les autres sites après Wayamojo, ce sont des sites qui ont été répertoriés par l'Institut Incari, c'est-à-dire par mon groupe, au ministère et référencés, cadastrés au ministère de la Culture à partir de 2009. D'accord. Alors, Wayamojo, c'est magnifique, hein, c'est de l'architecture un peu comme celle que l'on trouve à Machu Picchu, avec un belvédère, un mirador. Incroyable sur le rio Mapacho, c'est le rio qui coule en bas au fond de la vallée de Laco. Et en fait, chaque kilomètre, on trouve un site archéologique. Là, on est dans un site archéologique. C'était un village quechua d'une trentaine de maisons. Là, on voit les habitations. Et il y a des centaines de cultures en terrasse. Il y a une trentaine de niveaux de cultures en terrasse en parfait état de conservation. D'accord. Et Alors, les habitations, on voit que les murs, parce que le haut, c'était en paille, j'imagine, en végétation, quoi. Oui, tout à fait. Et puis bon, les murs se sont également détériorés. Et alors, figure-toi que dans ces ruines, il y a une indienne que l'on va voir après, Oui. qui vit dans les ruines. Voilà, c'est une vidéo. Elle C'est vit, oui, je une sais, vidéo. j'ai regardé cet après-midi, je vais vous la mettre. Donc elle vit carrément là-dedans, d'accord. Alors attendez, je vais la zoomer un petit peu. Voilà, Alors, elle pendant. s'appelle Maria del Carmen, Maria Yupanqui. Et Voilà. elle avait 85 ans à l'époque. Imaginez donc que cette brave dame ben, va être vue par des internautes à l'autre bout du monde, alors qu'elle vit dans un endroit complètement perdu.
C'est un Et peu faux. Maria Yupanqui, alors, c'est vraiment elle est très belle, hein, elle a des belles rides, etc. Et elle nous parlait des fantômes qui occupaient les Torre Moro, c'est le nom du site. Et elle nous expliquait que des fois, les fantômes vont se cacher dans l'arbre qui est derrière elle et ils l'appellent maman. Et elle leur répond, mais je suis pas ta mère. Et des fois, ils la touchent, ils viennent lui toucher là. Et dans la vidéo, elle parle des fantômes, justement. Bon, c'est Et très elle vit court, toute hein. seule là-dedans. Ouais. Waouh, elle est courageuse. Rio, 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 Rispa, Aipun, Incroyable. Cotepran, Cascambe, Soyabanque, Amanangito, Cotemunaikama, Nispa, Asnata, Parlaspa, Altunta, Pasan, Timantaka, Uraiman, Kutiamlanta, Et elle nous a expliqué, elle nous a parlé de Païtiti et de l'exode des Incas après la conquête espagnole. Comment une partie de la noblesse Inca est passée par l'Acoyavero pour aller vers le nord et jusqu'à la ville perdue. Et elle vit donc avec ses souvenirs, avec les fantômes et des milliers de tessons de céramique. Certains sont peints. De culture loucrée, de culture inca, mais pas seulement. Et tout ça, on les a remis évidemment au ministère de la Culture les années suivantes, quoi. Je trouve que c'est quelque part c'est émouvant et c'est génial qu'on puisse laisser cette dame qui est très âgée ben, aura laissé une petite trace sur Internet et restera dans la postérité, quoi. Ah oui, on a été très émus de faire sa connaissance. On est allé la voir plusieurs fois et je suis venu avec une équipe de tournage la filmer il y a quelques années pour un double documentaire fiction pour une chaîne péruvienne. Et ils l'ont filmé et c'est vrai qu'elle est Fascinant. mouvante. On a Oui. l'impression, elle est, tu vois, les momies que l'on voit, et c'est pas être lui manquer de respect à Oui. Maria Yupanqui, mais les momies incas que l'on voit dans des musées parfois, eh bien c'est exactement, ils sont exactement comme elle, comme Maria Yupanqui, c'est les mêmes personnes. Et Elle moi doit avoir une figure, hein. je la trouve très belle. Elle a des belles rides. Je la trouve vraiment magnifique. Ben, les rites, c'est l'histoire de sa vie, en fait. Mais c'est une vie quand même très dure, là, toute seule, quoi. C'est vraiment étonnant, quoi. Donc, elle doit cultiver pour manger, elle doit... Elle cultive son maïs, son manioc, etc. Et quel âge tu nous as dit qu'elle a, vous avez dit? Ouais, c'est pas, peut-être. La dernière fois de cette vidéo-là, c'était en 2015, cette vidéo. Elle avait à peu près 85 ans. Donc, Incroyable. si elle est encore vivante, elle doit avoir plus de 90 ans aujourd'hui. Incroyable. Mais même là, 85 ans, vivre toute seule dans la jungle, je lui montrerai à ma brave madré, qui a 80, bientôt 81 ans. C'est incroyable, quoi. Vivre toute seule dans la jungle à cet âge-là, waouh. Grand respect pour cette dame. Oui, Hein. Ça me fait plaisir de lui rendre un petit hommage. elle parle le quechua. Le Quechua, d'accord. Merci, Bourriquet. Ça fait plaisir d'avoir rendu un petit hommage, c'est super. Oui. Ça, c'est quelques céramiques. C'est aussi une vidéo, ça, une petite vidéo Alors, c'est quelques céramiques que l'on trouve, mais encore une fois, c'est des milliers de Partout. céramiques. Et on voit que certains tessons ont de la peinture marron, tu vois, on Ici, voit les pigments. Ouais, et tout ça, bah, ça te raconte l'histoire du site de Torremojo et des différentes occupations et de l'ACO. Et tout ça, on les a remis aux autorités du ministère de la Culture ici à Cusco. et qu'est-ce que je voulais dire? Tu sais qu'est-ce qu'ils utilisaient pour faire ces je Les cherche pigments. quelle pigmentation, oui. Oh, bah, c'est à base de roches, des choses comme ça. Ok. Hop. C'est des décoctions. Alors ça, c'est une nouvelle. Alors ça, c'est 1 km après Torremoro. Torremoro, c'est un site qu'on appelle Lucmacancha. C'est une petite vidéo aussi qui montre une portada de Lucmacancha. Je vais la zoomer, la recadrer. Hop.
C'est court hein, à chaque fois, tu sais, c'est pour Oui, les non, mais c'est conférences, génial. mais ça montre un peu l'architecture. Et là, c'est pareil, c'était un village d'une trentaine d'habitations en relation avec tout un système de terrasses de culture, parce que c'était des paysans hein, qui ont fait ces citadelles, ces petites cités. Incroyable avec vraiment on voit qu'ils font une courbe dans la porte. Oui, c'était assez, ça ressemblait un peu à de l'architecture Oui, religieuse. Et pourtant, ils ne connaissaient pas la clé de voûte, hein. Il n'y a pas de clé de voûte dans cette arche. ouais, c'est fait différemment, d'accord. Incroyable. Hop. Alors. Et alors, tous ces sites étaient. Alors, ça, c'est des bases de Lukmakoncha. Des habitations de Lukmakoncha. Ça, c'est les terrasses de culture de Lukmakoncha. Et comme on peut voir, il ne leur manque pas une pierre. Alors là, c'est... Attends, là, tu vas trop Alors, vite. oui, excuse-moi, c'est parce que quand j'ai mis avec la souris, ça Là, passait. c'est une citadelle complète qui s'appelle Yaktapata. Yaktapata, c'est du quechua, ça veut dire le village dans la montagne. Et c'est vraiment une cité perdue comme quand j'étais gamin, je rêvais de découvrir. Tu vois, et on en a trouvé une quinzaine de ce type. Et Incroyable. Yaktapata, c'est plus de 100 édifices. Et c'est magnifique. C'est vraiment la cité perdue d'Indiana Jones. Il y avait une question tout à l'heure, justement, je ne sais plus si c'était de Gundal ou de quelqu'un d'autre, qui disait, est-ce qu'il y a beaucoup de sites comme ça? Ben là, on voit que oui, quoi. Oui, et là, c'est vraiment l'un des grands sites que l'on a mis au jour. Avant nous, ça n'existait pas. Il n'avait pas d'existence légale, si tu veux. On a vraiment été les premiers à les découvrir. Et alors, dans le document suivant, c'est une petite vidéo qui montre certains édifices. Et certains édifices, ouais, voilà, c'est une petite vidéo. Certains édifices ont une couleur jaune, Oui. qui leur donne une personnalité vraiment extraordinaire. On a l'impression d'une peinture. Et en fait, c'est un lichen microscopique, Ah, mais d'accord. qui donne à Yaktapata une personnalité incroyable. Il y a Tojiro qui voudrait être embauché, hein, si tu as Ah besoin d'un porteur. bah ça serait avec grand plaisir, mais tu sais, nous, on essaie toujours de réduire nos équipes on fait surtout appel aux locaux. Oui. Tu sais, c'est un échange de bons procédés. Et là, donc, c'est quelques-uns des édifices de Yaktapata qui sont encore dans la végétation. Là, tu vois, c'est un peu dégagé parce qu'on l'a dégagé C'est vous qui avez pour dégagé, nous d'accord. permettre de filmer. Ok. Et oui, c'est complètement là-bas. On entend d'ailleurs, je ne sais pas s'il pleuvait ou s'il y a un ruisseau ou quoi, on entend de l'eau. Incroyable. Alors je sais plus de l'eau. Je dirais qu'il pleuvait, peut-être, ça a l'air très Oui, brumeux. il devait pleuvoir un petit peu. C'était au mois de décembre. Et ah non, c'était au mois de mai, ça, je crois, cette image. Mais bref, il y a pas de fleuve ici. Hein. La rivière, le Rio Mapacho coule au fond de la vallée. On est dans des et oui on est pas dans les Et vallées. alors, à Yaktapata, si tu passes d'image. Alors ça, c'est un site, c'est l'un des temples principaux de Yaktapata, un mur avec 50 niches sur deux fils. Et là, D'accord. on peut voir que les niches sont rectangulaires. Elles ne sont pas trapézoïdales comme les niches incas. Ouais, comme à Machu Picchu. Et donc, ça nous montre que ce site de Yaktapata est plus ancien que ce qu'on appelle l'horizon tardif ou l'architecture impériale des Incas. Et c'est de l'architecture Wari, c'est-à-dire les lointains ancêtres des Incas. Donc, Très on est sur des sites très anciens à ancien, la oui. Cuyabero. Merci à toi d'avoir été là, Philippe. Namasté, Merci, bonne nuit si Philippe. t'es encore là. Je vois que t'as plus de batterie. Merci d'avoir été là et merci pour le compliment. Merci pour Thierry. Hop. Merci. À bientôt. On va revenir là. Tac. Alors là, Et c'est une d'ailleurs, vidéo. vas-y.
Alors là, c'est vraiment très intéressant. Tu peux mettre la vidéo. C'est un ensemble de c'est un on va dire un temple Ouais. et avec quatre salles différentes. Et là, ce que tu vois, c'est la cuisine. C'est une cuisine. Et au fond, il y a un four. Le four. Et tu te rends compte que 500 ans après la chute de l'Empire Inca, eh bien, il ne manque pas une pierre à ce four. Cet ensemble architectural, on ne le trouve même pas à Machu Picchu, par exemple. Incroyable. Ouais, donc Oui. comme quoi, c'est des sites très intéressants pour les chercheurs, quoi. Ah bah c'est non mais c'est trouver un site pareil, Yactapata, c'est l'un des sites principaux de la Colla Vero. Il y en a un autre un petit peu plus grand qui s'appelle aussi Yactapata, on le verra un peu plus loin. Celui-ci a été trouvé aussi par le couple de Français ou c'est un de ceux que Ah tu as non, trouvé? ça c'est tous les sites de après Wayamoro, c'est nous, c'est Thierry Jamin et la statue Incari qui les avons mis au jour. Donc, quoi qu'il arrive, on va dire si tu t'es trompé sur Paititi ou si tu n'as jamais les autorisations, chose que je ne te souhaite pas, eh ben, tu as déjà découvert des trucs passionnants, quoi, hein. Ah mais Contrairement, voilà, à ce que tu pouvais en détracteur. malgré ce que peuvent dire certains Ben oui. détracteurs, certains trous du cul, on a trouvé on a eu le grand privilège de trouver quelques sites, dont Yactapata. Et vous l'avez mérité parce que pour y aller, on a vu dans la vidéo hier, c'est toute une expédition, rester un mois en forêt, manger local, voilà, voir les pluies, dormir dans des sites. Enfin, moi, je sais que j'adore ça hein, aussi, aller camper et tout, mais voilà, c'est pas Club Med, hein, c'est pas, tu vas pas dans des palaces quoi, quand tu vas Alors, découvrir ça. faut être autonome. Faut être un peu autonome. Moi, Là, je tu dis peux toujours avancer. que tu es notre Indiana Jones français, mais dans le Oh. réel. Un détail du four. Et encore une fois, bah, c'est pour pouvoir apprécier la finesse et encore une fois, l'état de conservation. Tu pourrais y mettre ton Incroyable. pain ou ta nourriture et la faire chauffer direct. Tu vois, il n'y a même pas de végétation à l'intérieur. Ah, il est fonctionnel, incroyable. Pratiquement. Tac, ah, Ouais, c'est extraordinaire. extraordinaire, Olivier. Alors, si j'ai bien vu, un contre 600 000. Alors, je pense qu'il répondait à quelque chose de plus haut. J'ai pas trop compris. C'est du rustique. Ben oui, c'est du rustique, c'est clair. Alors là, on voit. Là, je crois que. Alors, tac. Alors Donc, ça, c'est voilà, c'est ça. le temple principal. Alors il manque le mur latéral, le mur qui est parallèle au mur du fond là, et qui a été détruit. On voit le reste, non, c'est ça? On voit un peu le Ouais, reste. on voit un peu la base. Et il mesure 15 mètres de long. Il y avait plus de 50 niches sur ce site, sur ces murs. Et c'est des choses, encore une fois, que l'on ne trouve pas C'est certainement. à Machu Picchu, par exemple. Et c'est de l'architecture Wari, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus ancien que l'Empire Inca. Et ça, je suppose, vu la taille, que ça, c'était pas une maison, c'est certainement un lieu de culte ou quelque chose Oui, comme c'était là, on est dans le secteur religieux de Yactapata. D'accord. Avec les petites niches, etc. Génial. Et ouais, on voit, tu as marqué temple principal. Ouais, voilà, avec des détails des niches. C'est vrai que c'est un peu plus rustique. Et je pense que Paititi, ça doit être un peu cette architecture-là. En tout cas, dans les premières époques. Eh bien, Alors Tojiro, tu passes ta valise. là c'est une autre cité complète, un petit peu plus petite. C'est Pumacocha. Et qui est dans le même secteur que Yactapata, à 2 heures de marche sur une autre montagne. Et là, à droite, on voit le tambo, ce qui reste du temple principal, qui avait 22 niches, si mes souvenirs sont bons. Il y avait 80 édifices. Alors pourquoi Pumacocha? Cocha, ça veut dire lac. Et de fait, il y a un lac à côté des édifices. Et même les habitants du coin disent que par moment, ils entendent des plaintes larmoyantes sortir du lac.
C'est Ils quel disent que c'est, ils parlent de sacrifices de jeunes qui auraient été sacrifiés dans les eaux du lac de Pumacocha. J'allais te dire, c'est quel culte qu'ils ont, ces peuples-là? On connaît un peu leur culte ou pas du tout? Ah ben, on les connaît bien, c'était des polythéistes et c'était le culte du soleil, Inti. Et c'était Viracocha, le dieu créateur. On l'appelle Pachacamac sur la côte, mais c'est Viracocha, le C'est Viracocha vraiment des les trucs warriors. Inca, quoi, hein, comme on voit dans les grands trucs, dans le grand site C'était Inca. la lune Mamaquilla qui était l'épouse du soleil. Et puis c'était les Pléiades, c'était Vénus, Chasca. Ils ont toute une cosmogonie. D'accord. Si, des cimetières, on a trouvé à Laco deux nécropoles avec des centaines de tombes dont la plupart sont toujours demeurées intactes. On a plein de questions intéressantes, comme quoi ça passionne les gens, c'est génial. Là, on peut avancer un petit peu. Oui. Là, c'est une autre. Ah ben attends, là, c'est une autre citadelle. Une cité magnifique, plus petite que Yactapata, Hatunmonte. Ça veut dire Hatunmonte, la grande montagne. Et une cité avec des ruines en très bon état de conservation. On ne sait pas exactement combien il y a d'édifices parce que tout était dans la végétation. Et c'est dans le même secteur de Pumacocha et de Yactapata, une cité complète avec des petits passages, des murets qui donnent sur le Rio Mapacho, quelque chose de magnifique. Et voilà l'un des édifices de Hatunmonte avec ses niches trapézoïdales, voire rectangulaires. Et pareil, des cités complètes. Alors là, justement, on est dans l'une des nécropoles qu'on appelle Poucro, des Ah, dizaines. excuse-moi. Alors là, des dizaines de tombes. Alors, dans des tours funéraires, comme on voit, ce qu'on appelle Chulpas, cette Chulpa est magnifique parce qu'il ne lui manque pas une petite pierre, ni du toit, ni de l'intérieur. Malheureusement, les sépultures ont disparu. On trouve également des puits au fond desquels on trouve des salles sépulcrales où il y avait des momies qui ont disparu. Et puis, il y avait des tombes verticales, des différentes formes d'inhumation. Et donc, ça, c'est Poucro, donc. Ok. Et alors ça, de l'autre côté de Poucro, il y a une autre nécropole qui s'appelle Rimac Pampa, où l'on trouve également des dizaines, peut-être des centaines de tombes et quelques édifices. Rimac Pampa, ça veut dire la Pampa qui parle. Et c'est sûrement une référence aux fantômes. C'est un peu comme le disait Maria Yupanqui, ils entendaient les voix des fantômes, etc. Et Rimac Pampa, bah, c'est la montagne qui parle, et sûrement une référence à. Leur légende. Ouais, voilà, leur légende. Alors là, une autre citadelle complète, à Pukatina, avec des dizaines d'édifices, dont des édifices circulaires, assez bizarres, que l'on a trouvé qu'à Pukatina. D'accord. Ah oui, en plus, il y a pas mal de choses un peu inédites, quoi. Ah ben, tous ces sites. Ils sont toujours largement inconnus. Hein. Nous, on les a répertoriés, on a mis des années à le faire, et ils sont enregistrés au ministère de la Culture. Là, on voit l'image de gauche, c'est l'un de ces édifices circulaires. Et à droite, c'est l'une des plateformes. Il y a deux plateformes à Pukatina qui ressemblent un peu à des plateformes d'observation au centre duquel il y avait un temple et qui permettaient sûrement de contrôler les allées-venues vers Mameria ou vers Paititi. D'accord. C'est Marie qui nous dit qu'elle vous conseille le livre de Thierry, L'aventurier de la cité perdue. Merci, c'est très sympa. Et tu en penses quoi d'Alien Theory? Oh, plein de choses. Et là, c'est Et encore un autre débat, voilà, c'est c'est un autre encore notre débat. sujet. Malheureusement, il y a tellement de choses à dire. C'est pour ça que je n'ai pas mis toutes les questions qu'il y a, hein, parce que, y a beaucoup de questions, mais voilà, il y a tellement de choses à dire, malheureusement. De toute façon, tu sais Alors que tu là, es toujours bienvenue sur la chaîne, donc tu. la nouvelle cité. C'est la cité une autre cité qui s'appelle Yactapata. C'est la plus importante de la vallée de la Côte. 150 édifices, 11 rues,
6 rues nord-sud, 5 rues est-ouest. Et d'après les habitants, elle aurait été fondée par Pachacutec au 15e siècle. Et au sommet de la montagne, il y aurait une statue de Pachacutec, mais qu'on n'a jamais trouvée. Alors c'est magnifique parce qu'il y a des fenêtres à double jambage, il y a des portadas, etc. Une vraie petite Machu Picchu. Hop, tac. Voilà, là, une autre base d'édifice. Alors, tu vois, les trous que l'on voit, ce n'est pas des niches, hein, il y avait des poutres. C'est parce que c'était un édifice de deux étages, enfin d'un étage. Oui. Excellent, quoi. Et oui, forcément, le bois, il a pourri, et il reste les pierres, quoi. Voilà, et alors là, pareil, une magnifique fenêtre à double jambage. Effectivement, Et oui. à droite, une portada. Excellent. Qui montre. Alors là, on est dans une vallée voisine de la vallée de la Caux, on est dans la vallée de Chuchusmayo. Et on a trouvé dans la vallée voisine, et pareil, un certain nombre de sites magnifiques. Et certains des sites complets, comme un Catambo, par exemple. Alors, il y a une autre citadelle à Chuchusmayo qui s'appelle Yactapata et qui est constituée d'une cinquantaine d'édifices, peut-être un peu moins, et 29 niveaux de culture en terrasse, en parfait état de conservation, avec également des tours funéraires, des tulpas. Donc c'était des espèces de petits villages et on Et estime voilà. qu'ils étaient combien d'habitants à peu près, on estime, tu sais Oh, ou... là, y a aucune étude, hein, à part le travail de mon groupe, il n'y a vraiment aucune étude Je avancée sur ça. Mais en tout cas, ce que l'on s'aperçoit, c'est qu'à l'époque des Incas, ces vallées, la vallée de Lacoyavero, de Chuchusmayo, c'était un immense grenier qui était très habité, il y avait beaucoup de population, on va dire, dans ces vallées. Est-ce qu'il y a des habitations souterraines ou des tunnels, nous demande Gandalf? Alors, dans la vallée de Chuchusmayo, on nous a parlé de tunnels. On a vu des entrées, mais on n'a pas été très convaincu par le fait. Dans les pyramides, on a découvert un tunnel d'une dizaine, 15 mètres de longueur qui débouchait sur une petite salle circulaire qui aujourd'hui est vide. Au D'accord. nord des pyramides. Mais Tojiro, il l'a dit tout à l'heure, hein, je crois, parce que ça serait avant les Incas, hein, tout ça. Alors, les sites que l'on voit là sont pré-Inca. Effectivement, les Huari, c'est autour de l'an 1000, un petit peu avant, un petit peu après. C'est pré-Inca. Sauf, alors, le Yactapata que l'on a vu précédemment, là, avec les fenêtres, les niches et les fenêtres trapézoïdales, elles sont de l'époque de Pachacutec, c'est-à-dire le milieu du 15e siècle, puisque Pachacutec prend le pouvoir vers 1438 et il meurt en 1474. D'accord. Voilà, alors là, d'autres bases d'édifices de Yactapata de Chuchusmayo. Des cités comme ça, alors là, certaines tours funéraires de Chuchusmayo, de Yactapata, on a trouvé une quinzaine de cités perdues, de cités complètes comme ça. Alors, tour funéraire, c'est-à-dire on mettait les Sépultures dans des fardeaux. Non, D'accord. oui. Ils avaient un système un peu c'était leur tradition de faire comme des momies ou pas du tout là à cette Oui, époque-là? c'était. Généralement, ils étaient momifiés et mis dans des fardeaux. Les fardeaux, c'est des sarcophages en tissu. Et la grande majorité de l'entrée des tulpas est tournée vers l'est, le soleil levant. Passionnant. Alors là, on est au fond de la vallée de Chuchusmayo, dans un secteur qui s'appelle Miraflores. Il y a une cité qui s'appelle Montepunku. C'est la cité la plus complète de Chuchusmayo. Elle est un peu en gradin comme ça.
un peu comme Machu Picchu. Elle est très, bon, c'est une cinquantaine d'édifices, mais d'origine inca parce que les niches sont trapézoïdales. On a une Et certaine altitude là. pardon? On a une certaine altitude là par rapport à Machu Picchu, parce que tu parles de ça. Oh, on est à peu près à la même altitude Ah, que c'est Machu haut quand Picchu. même. Machu Picchu, c'est 2400 mètres. Là, on est dans les 2000 mètres, des choses comme Oui, ça. quand même. Mais on D'accord. est plus près de, là, on est plus près de la forêt amazonienne que Machu Picchu. Machu Picchu, c'est la Serra de Selva. Là, on commence à être dans la forêt basse. D'accord. Je te laisse lire la question. Alors, il faudrait faire quelques excavations, enlever la végétation pour voir s'il y avait des systèmes de canaux. Mais généralement, le fleuve n'était pas très loin, donc les gens allaient chercher leur eau depuis le Rio Mapacho, le Rio Chuchusmayo, D'accord. pour alimenter l'eau. Et dans cette, là, on voit les niches en forme trapézoïdale, et c'est un plan échelonné. Et je me souviens que dans cette petite cité, j'ai trouvé une céramique en forme d'ours à lunettes, parce qu'il y a des ours, hein. On s'est même approché d'une trentaine de mètres d'un ours, et il s'est levé comme ça pour nous Excellent. sentir, et après il est parti. Et j'ai trouvé une petite céramique de cette taille-là, d'un ours, et c'était peut-être un jouet pour un enfant, et c'était assez émouvant. C'était Non. C'était la céramique, c'était pas un ours dessiné, c'était en forme d'ours carrément. Ouais, c'était de la glaise, tu vois, qui avait Ah été de la céramique, quoi, oui. qui avait été faite pour faire un petit ours. Et alors, on en a des photos, des vidéos de ça, mais on l'a remis au ministère de la Culture, et j'espère que c'est conservé. Excellent. J'imagine que oui. C'est Et excellent. là, tu vois, on arrive vers une petite esplanade. Il y a encore des escaliers, un double escalier. Là, on l'avait un peu dégagé pour le mettre en évidence. Et ce double escalier conduit vers une petite esplanade qui va jusqu'à ce temple principal, D'accord. qui est très abîmé puisque tu as des arbres qui ont poussé sur les murs. Oui. Alors, pour la petite, alors ça, c'est un site qu'on a découvert en 2009, tu vois. Et alors, pour la petite histoire, il y a un chercheur de Paititi, un chercheur américain, un certain Grégory, je dirais pas son nom, avec lequel j'ai eu régulièrement depuis mes premières expéditions des problèmes. Et alors, en 2011, il a diffusé la découverte des ruines de Miraflores, 100 ans après la découverte de Machu Picchu. Et il parlait de ce site-là. Mais ce site, nous, on l'avait découvert 2 ou 3 ans avant. Bon, Ouais. et il s'appelle Monte Punku, il ne s'appelle pas Miraflores. Les gens s'attribuent très vite les choses. Oui, voilà, c'était la petite histoire. Et donc, Monte Punku, ça veut dire l'entrée dans la montagne, un peu comme Umapata. D'accord. Les sacrifices humains, ben je ne sais pas si les Incas en faisaient. Alors, ils en faisaient, mais ce n'était pas les sacrifices comme les faisaient les Aztèques, par exemple. On a Ouais. trouvé des momies incas d'enfants sacrifiés D'accord. qui ont été déposées au sommet de montagne à 5 000 mètres d'altitude, et on les a découvertes en parfaite conservation, notamment la petite Juanita qui est dans un musée de Arequipa, qui est en. Ben, encore une fois, elle devait avoir 14-15 ans, et on a trouvé plusieurs enfants dans les hauts sommets andins. Mais les Incas ne faisaient pas de sacrifices où ils arrachaient le cœur comme le faisaient les Aztèques. C'est les Aztèques, je pense que c'était ce à quoi elle faisait allusion Lahouri. Ouais. Ok. Alors, on va continuer. Hop. Alors là, tu vois, tous les sites de LACO conduisent, ils sont en liaison l'un avec l'autre, et ils nous conduisent vers le nord du département de Cusco. Et donc, c'est ce qu'on a fait, on les a suivis.
à partir de 2009, à partir de l'expédition là de TF1 avec TF1. Et en fait, plus on découvrait de plus on allait dans ces zones, plus on découvrait de sites extraordinaires. À tel point qu'on s'est dit, on peut pas faire une expédition par an, c'est pas possible. Et dans les années 2000, entre 2009 et 2013, 2014, on faisait jusqu'à 4 campagnes d'expédition pour aller, parce on avait vraiment l'impression qu'il existait vers le nord un site principal qui contrôlait tous les sites dont on vient de parler. Tous les sites que l'on D'accord. venait de voir. Et moi, j'avais envie de tomber sur ce site principal, d'autant plus qu'à partir de 2010, on arrive dans la partie sud du sanctuaire national de Meghan Tony, tu vois, la zone rose. Et ouais, voilà. Et donc, on rencontre aux marges du sanctuaire de Meghan Tony, on trouve des communautés Matsigangas qui commencent à nous parler d'une mystérieuse montagne. Et de ruines fabuleuses, des ruines monumentales qui étaient au sommet de cette montagne. Et certains me disaient même, ce que tu cherches, c'est au sommet de cette montagne. Et Je certains, savais maintenant. alors nous, des fois, avec une carte, elle est où cette montagne? Mais ils n'arrivaient pas à la Oui. localiser, ou peut-être qu'ils ne voulaient pas, je ne sais pas. Puis eux, c'est pas leur façon de se localiser, de se situer, je pense. Ils n'ont pas l'habitude des cartes, quoi, Oui, forcément. voilà. Et certains désignaient cette montagne sous le nom de Yanaorko. Et donc, il y C'est a sûr. plusieurs, on a eu plusieurs témoignages comme ça, très intéressants, qui nous ont permis de De cibler. finaliser, voilà, de localiser plus ou moins cette fameuse montagne De retenir. jusqu'en août 2011, où persuadé qu'on s'était approché peut-être de 20 ou 30 km de la montagne, où à l'issue de cette campagne, j'ai demandé à mes amis d'Airbus de nous faire une image de cette zone-là, et ce qui nous a permis de localiser la montagne carrée. Montagne carrée, etc., qu'on va voir après, hein. Alors ça, c'est la résolution, c'est les permis que le ministère de la Culture te donne D'accord. après avoir remis le projet de recherche quand c'est accepté. Ok. C'est un exemple. Et là, ben c'est la campagne de 2011, et on est en plein cœur du sanctuaire de Meghan Tony. Imagine-toi que jusqu'à aujourd'hui, les chemins de pierre des Incas, ce qu'on appelle le Capac-Niang, qui fait plus de 10 000 km, qui est classé à l'UNESCO, mais toute cette partie amazonienne reste totalement inconnue. Eh bien, jusqu'à aujourd'hui, en pleine forêt basse, on voit encore le tracé de ce chemin Inca. C'est incroyable que la végétation ne l'ait pas entièrement bouffée, noyée. Eh bien, on le voit encore. Et même dans certains cas, tu peux passer la suivante. Eh bien, il y a des murs de contention qui protègent, qui bordent ces chemins. Et tu vois, là, on les voit encore très bien, les chemins. Et ce sont des chemins Inca qui datent du 15e, 16e siècle. Santuario, ça veut dire chemin, alors. Ou sanctuaire. Santuario, non, 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 Sanctuaire. Santuario, c'est sanctuaire. C'est les D'accord. C'est sanctuaires de Meghan. Camino, oui, chemin, c'est Camino. Ouais, voilà. Et alors, on était en 2011, on était accompagnés par des Indiens Matsigangas, et les Matsigangas nous disaient, on leur demandait, ils conduisent où ces chemins? Et ils nous disaient, ah ben ils vont se perdre jusqu'au Rio Timpia. Rio Timpia. Or, la montagne carrée, elle est près de la boucle du Rio Timpia. Ah, ouais, donc vraiment tous les chemins te menaient à cette fameuse montagne carrée, quoi, hein, tous les Oui, indices. c'est vraiment la campagne décisive qui nous a permis de localiser la montagne carrée grâce à nos amis de Spot Image. Oui, parce que pour faire une petite parenthèse, ça serait vraiment dommage. Parce que justement, c'est quand même toi qui as fait tout ce travail, qui as fait plusieurs expéditions, qui est quand même retourné plusieurs fois, qui a eu ces indices, qui a eu les images satellites, qui a localisé cette montagne carrée, ces lacs, etc. C'est vraiment dommage que maintenant certains pilleurs, certains trucs profitent de ton travail en quelque sorte, enfin même carrément, ben pour s'en mettre plein les poches. Et puis, c'est dommage. Il serait temps de les trouver officiellement, hein. Nous, on essaie de dénoncer cette situation, justement. Là, tu peux. Il y a une question.
Je vais mettre la suivante. Il y a eu une question comme ça tout à l'heure pour dire est-ce que ils vont être, est-ce que c'est possible de les avoir, de les traduire en justice, tous ces fameux pilleurs de tombes et tout, mais je crois que c'est très très compliqué après quoi, Ah hein. ben nous, c'est nous, en tout cas, la prochaine campagne, on veut mettre en évidence les méfaits des pilleurs. Là, je suis au pied de l'une des terrasses de culture. Il y a des kilomètres de terrasses de culture à Mégantoni et qui montrent que ces terrasses de culture servaient à l'alimentation d'une population importante. Mais ça donne une idée de la population qui devait être dans le coin. Et de la proximité d'un centre d'occupation, là c'est pareil, là ce sont des bases de terrasses de culture en plein cœur de Mégantoni. Mégantoni, là je le répète, on n'est plus en montagne, hein, c'est la forêt, c'est déjà de la forêt basse et donc de la végétation un peu comme à Mamaria. Oui. Là, alors bon là c'est Pour les permis, ouais. oui, voilà, c'est le type de projet que l'on remet aux autorités pour avoir les permis, etc. Et là, bon, ben, la zone rouge, ça montre un peu c'est la vallée de la Côte, et ça montre la pénétration des Incas, des Huaris, etc., vers le nord et vers la zone probable de Païtiti, puisque. Dans la montagne carrée, là, elle serait plus Non, au-dessus, non, là. là, elle est plus bas, elle est plus au sud. Non, 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 elle est, oui, un petit peu plus haut. Ben, tu vois, voilà, elle est un petit peu plus haut et à droite. Un petit, oui, oui, ben, tu verras, c'est indiqué dans les. Non, 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 c'est pas là, mais c'est pas grave. Là, c'est le Rio Timpia, là, que tu montres, justement. Qui est proche, donc. Ah oui. Donc, bon, les frontières actuelles du sanctuaire de Mégantoni avec la zone tampon, la zone d'amortiguamiento. Et c'est un parc, un sanctuaire qui a été créé en 2004. Là, c'est la fameuse image satellite de nos amis d'Airbus Defence and Space du 13 juin 2012 qui nous a permis de localiser cette montagne carrée. Le petit lac. Et les lacs. Ouais, donc voilà les deux lacs en forme de 8 et le petit lac carré et la fameuse montagne carrée. Voilà. Et quand j'ai vu cette montagne, je me suis dit, c'est ça, c'est Huit la tours. fameuse montagne dont on nous parle depuis toutes ces années. Et là, en rouge, bah, c'est la zone de la montagne carrée qui est un peu à la confluence au nord du Rio Timpia. Au sud du Rio Chihuahuero et au sud encore du Rio Ticumpiña. D'accord. Et oui, Gundel nous dit pas de vestiges, mais le problème, c'est que c'est pillé, voilà, je pense. Ah Je ben, pas de vestiges, on va y parlais revenir. Si, il y a des vestiges, il y a des ruines. Non, il Parce que. parlait des petites statues, etc. Non, ah ben, sur la montagne carrée, oui, il doit y en avoir. Mais dans le sanctuaire de Mégantoni, bon, c'est la forêt basse. Donc, s'il y a du matériel archéologique, il est encore à découvrir. D'accord. Là, on voit déjà beaucoup mieux. Je vais dézoomer peut-être un peu. Ouais. Là, on voit Voilà, déjà bon, de plus ce près. sont Hein. des détails de la zone de la montagne carrée et de la zone des lacs. Voilà, bon, encore. Là, d'autres. Alors là, dans le rond rouge, on voit des formations géométriques qui ne semblent pas naturelles. Et on dirait des bases architecturales, et justement situées à côté du lac jumeau. Et plusieurs légendes disent que Païtiti aurait été construit près sur les rives de lac jumeau. Donc ça pourrait être une partie. Du complexe archéologique de Païtiti. Et comme à Machu Picchu, il doit y avoir plusieurs secteurs disséminés sur tout ce territoire. Mais le cœur du site, à mon avis, il est dans le cercle rouge. D'accord. Oui, c'est l'espèce de trait qu'on voit, quoi. Ouais, Les et qui semble différences de pas. végétation, en fait. Et ouais, et ce ne sont pas des terrasses parce que on les a survolées. Et si vous regardez sur Google Earth, vous verrez que ce ne sont pas des terrasses, mais que ce sont bien des structures qui sont sous la végétation. Alors, Purple Alien qui nous dit 70 000 pour le lidar, tu vas être sur la paille. Mais non, mais il n'a pas besoin du lidar, justement, il a eu d'autres images satellites, il a expliqué tout à Oui, mais l'heure. les images satellites nous ont permis d'avoir des indices, mais ce n'est pas aussi précis
que le LIDAR. Moi, personnellement, si j'avais 70 000 euros ou dollars d'économie, je les paierais de ma poche, hein. D'accord. Et l'ovni à l'envers, nous demande Christine, et je pense que tu parles de celui des géoglyphes de Nazca, c'est assez loin quand même. L'ovni à l'envers, là, je ne vois pas de quoi tu parles, Christine. Peut-être géoglyphe de Nazca, mais je ne sais pas. Peut-être à nous préciser après. Alors, zone de la montagne, on va dézoomer. Ouais. Là, on voit bien, là, voilà, hop. Et On voit. franchement, si la montagne carrée, c'est le fruit de l'érosion naturelle, moi j'ai une formation d'historien et de géographe, hein, et j'ai du mal à comprendre géologiquement comment la nature a pu aboutir à un tel résultat. Des lignes bien droites, et surtout que tu nous disais, en plus, ça tombe juste en mètres, ça c'est très très étonnant, quoi. Ça fait 1000 mètres et le lac carré, il fait 100 mètres de côté. Incroyable ça, voilà, 100 Et mètres. nos amis internautes peuvent vérifier, hein, sur Google, ils prennent l'échelle parce qu'on peut mesurer les lieux et les distances et vous verrez que ça fait 1000 mètres de côté. Olivier Nera nous dit c'est naturel ça. Oh, c'est son avis, mais bon, je pense que comme tu disais, tu t'y connais quand même assez bien. Pour toi, ça n'a pas l'air naturel, hein. Ouais, c'est quand même bizarre. Mais Olivier faisait peut-être une question, posait peut-être une question, une C'est peut-être interrogation. une question ou une affirmation, oui. Mais même le lac, comment un lac peut se créer de façon carrée et de pile 100 mètres sur 100 mètres, quand même, ça me paraît très étonnant aussi, quoi. C'est-à-dire que on peut trouver. Bon, la nature, elle fait des choses assez curieuses. Regarde les fameuses J'ai vu les pyramides de pyramides, voilà. Pavlovsky. Mais là, on a une montagne carrée à côté d'un lac carré et à côté de deux lacs jumeaux. C'était une question, tu vois. Voilà, Bah, je me pose, d'accord. Olivier, je me pose la même question. Oui. Et deux lacs jumeaux en forme de 8, très symétriques. Ça fait un ensemble d'objets géométriques Étonnant. très étonnant qui s'explique assez difficilement par le simple fait de la nature. Alors, il y a un truc intéressant, puisque Bourriquet nous dit qu'il semble qu'il y a un carré à l'intérieur du carré, effectivement, on dirait un peu, oui. Et on voit qu'il y a beaucoup de choses qui ont l'air de lignes droites, un Alors, peu des différences de végétation, peut-être des canaux, tu nous disais. C'est ça que pas tu là, dis. les canaux, on les a repérés sur la zone des lacs, mais on va y revenir avec les images satellites. On Et là, approche. ce que je montre là, tu penses, là, on voit quand même qu'il y a des espèces de Il y a des différences. choses, on a repéré des choses Étrange. très curieuses, mais sur les parties planes, il doit y avoir de l'architecture, des différents secteurs d'habitation. Et la zone qui est un peu montagneuse, alors là, c'est les lacs. Ah pardon, mais vas-y, vas-y, je t'écoute. Non, non, mais disons que là, sur la montagne carrée, les zones un peu montagneuses, c'est peut-être le produit de l'exploitation minière. Ah oui. Parce qu'à mon avis, les fameuses mines d'or du Païtiti doivent être dans ces plissements qui sont à l'intérieur de la montagne carrée. C'est une hypothèse, hein, ça se base sur rien de concret, mais simplement sur ce qu'on connaît un peu de la zone. D'accord. Alors on voit de bien plus près, on voit que c'est vraiment carré, quoi. Hein. Alors oui, et tout est regroupé, hein, entre les deux lacs jumeaux, c'est 300 mètres, tu Ah vois? oui, puisqu'on voit que là, il y a 100 mètres, donc c'est ça. Ouais. Hop, hop. Et là, ouais, là, ça fait ouais, 200, 300 mètres, et là, un peu Et plus. je ne sais pas si vous voyez au nord des lacs jumeaux, là, on voit un canal qui part. Voilà, ouais, on voit un canal qui part, et alors il fait une courbe un peu plus vers le nord et il semble être relié au lac carré. Et je D'accord. pense que les lacs jumeaux du sud sont reliés aux lacs jumeaux du nord. Et là, c'est ce que tu disais aussi, je crois, dans une vidéo. Ben, c'est dans la vidéo d'hier aussi, je crois, je ne sais plus. Mais que donc ces fameux lacs, on voit qu'il y a une zone de défriché qui te fait penser qu'il y a eu des. Oui, on va les voir après. On va les D'accord. voir après les zones qui ont été défrichées. D'ailleurs, on les voit là. Enfin, moi, je Oui, les vois, mais on voit bien. on va les voir un peu mieux tout à l'heure. Non, non, On c'est pas voit tout là. le monde. Non, non, ça, Ah, c'est pas là. voilà. Non, Et non, là, non. il n'y a pas d'arbre non plus, là. Non, non, ça, c'est naturel. C'est de la végétation. C'est des plantes aquatiques. D'accord. Ok, moi je Mais pensais que on les c'était voit. dans les océans.
Mais on va aller voir un peu plus loin. Là, alors ça, c'est assez marrant. C'est pas une vidéo, non, c'est un José Casafranca qui était avec Mauro, qui est un Achan Inca, et qui nous parlait de ruines au sommet de la montagne Carrée. Et les Indiens de cette zone disent que c'est une zone assez bizarre parce qu'il y a souvent des flashs, des lumières assez bizarres la nuit, et qu'il y a des grondements qui sortent du sol. On l'interview. En fait, ça, c'est une image qui vient d'une vidéo, d'une interview. Mauro explique qu'il y a des bruits bizarres qui sortent du sous-sol. Il se tait et à peine a-t-il fini de dire ça, qu'il y a un grondement qui se fait D'accord. entendre et qu'on a filmé, qu'on a enregistré. Enfin, c'est une zone assez particulière. Et là, donc là, ce que tu me dis, ça m'intéresse particulièrement parce que ces histoires de lumière, c'est ce qu'on retrouve. Alors, je ne saurais plus dire, il y a certainement Marie ou quelqu'un dans le chat qui pourra nous préciser, mais il y a une zone bien connue dans certaines montagnes en Europe où on voit tout le temps des lumières et on ne sait pas du tout de quoi ça vient. C'est étudié, il y a des caméras et tout ça, Mais nous, 24 heures sur 24. on les a constatés. Hein, je Des les ai vus. lumières. Hein, D'accord. des flashs, des choses assez bizarres, même des bruits de scie électrique. Enfin, des bruits assez Donc, bizarres. ah oui, d'accord. J'ai pensé aussi à ce qu'avait dit Jimmy Guilleux avec aussi quelqu'un qu'il avait interviewé qui entendait qu'il y avait une espèce de puits, une grotte et qui entendait des bruits. C'était près du fameux le moment où tout le monde voulait se réfugier quand il devait y avoir la fin du monde là, en France. Oui, je vois la Tu vois, Bougarache. voilà, Bougarache. Et Ouais. ben le gars entendait des bruits de machines. Donc tu vois, là on est à l'autre bout du monde, mais on a les mêmes phénomènes, quoi. C'est quand même très étonnant. Là, tu peux avancer. Alors bon, là, c'est. Alors, attends, tu vas trop vite. Reviens Là, là. D'accord. c'est en 2000. Alors, depuis 2015, on essaye d'obtenir un permis pour faire une opération sur le terrain, pour vérifier ou non la présence de Pythitis, son état actuel de conservation, analyser les mesures urgentes à prendre pour protéger le site, etc., et enquêter sur les pilleurs. Sauf que le chef du sanctuaire de Megantoni nous fait des obstacles depuis des années pour nous empêcher de faire cette opération. Et en 2019, le conseil distrital du district de Megantoni, à l'unanimité, nous a donné une autorisation pour faire l'opération de septembre 2019. Alors, c'était pas très légal, parce qu'il aurait fallu qu'on ait une autorisation du sanctuaire de Mégantoni, mais on a quand même pris le risque. Et donc, grâce à ce document, la police de l'air a accepté de faire une opération, et c'est l'image suivante. C'est une petite vidéo. Alors, attends, je vais la cadrer bien. Hop, parce que la vidéo. Ah oui, c'est là où on te voit survoler. Ouais, là, c'est magnifique, les amis. Hop, je vous le Alors mets. là, on voit le lac Carré. C'est vraiment des eaux très, très sombres. On croirait presque une pierre d'obsidienne. Ouais, on voit bien, là, c'est très sombre, effectivement. Et Alors, on ou voit c'est les très lacs profond, ou géants. alors, excuse-moi, ou c'est très profond, ou alors c'est qu'il y a un fond qui est très sombre en algues ou en quelque chose. Tu penses que c'est profond plutôt, non? Nous, on a plutôt l'impression que c'est comme un cénoté, comme un puits, tu D'accord. vois. Et je pense que la fameuse Yawirca des Incas, là, dont parle Garcilaso de la Vega, a été Elle était là. jetée dans le lac Carré, plutôt que dans les lacs jumeaux, qui ne me semblent pas si profonds que ça et si naturels. Ce serait génial, t'imagines, si tu peux trouver ça. Nous, ou les archéologues du futur, hein, parce qu'il y a à faire. Alors là, On voit le bord de l'avion. Là, tu es en avion, pas en hélico ou en hélicoptère. on était en hélicoptère. Alors on est descendu très très bas, hein, puisque les roues de l'hélicoptère touchaient pratiquement l'eau des lacs jumeaux. Hein. Mais bon, on peut pas tout montrer.
Et alors, on a vu des comme des hyperstructures sous la végétation du lac Sud. Et puis, on a aussi filmé, alors je le montre peut-être dans une photo suivante, une sortie de canal qui débouche dans l'un des lacs jumeaux. Et D'accord. puis, alors là, à gauche, c'est la montagne carrée. Hein. On voit bien que c'est des falaises verticales à 90% pratiquement. Là, ça serait le comment dire La une montagne des arêtes carrée. de la montagne carrée, quoi. Ouais, qui fait à peu près 1000 mètres de dénivelé d'ailleurs. Ah, en hauteur aussi, d'accord. Ouais, Donc ça mais fait un en plus en dégradé, il y a quelques centaines de mètres très verticales et après ça descend revient. jusqu'au lac. Oui, c'est à peu près 1000 mètres de dénivelé, un peu Ah, c'est plus. assez incroyable. Là, on voit bien la hauteur là quand même. C'est l'un de mes amis, Michael, qui a filmé avec son téléphone, qui nous accompagnait pour cette opération. C'est vraiment génial de pouvoir voir ça. Hop, hop, là, Voilà. ça Alors là, repart. on peut passer à la suivante, On voit si bien tu veux. le. Et là, bah, tu vois, là, l'hélicoptère, il est au niveau de l'un des lacs jumeaux du Nord. Et là, c'est ce que tu vois là, c'est les fameuses herbes que tu montrais tout à l'heure avec. D'accord. Curseur. Ok. Là, vous êtes en vol, là. Donc. Là, oui, on est juste au-dessus, peut-être à 1 mètre à peine Ah oui, moi, je croyais que des vous eaux du étiez lac posé. Chimo. Moi, quand j'ai vu cette image, j'ai cru que vous étiez posé, moi. Donc, c'est vraiment proche, hein. Oui, il y a les roues qui touchent presque. Alors là, c'est intéressant parce que bon, dans une des photos, on voit encore une fois des sillons de ce qui ressemble à des canaux. Et à droite, on Alors, voit une sortie de canot, justement, une je vais sortie de montrer les canal. canaux. Voilà, effectivement, c'est ça que tu penses être des canons. On voit bien là, Ouais. avec les lacs ici, le carré ici, et Oui, après. parce qu'on les voit, ils font la jonction avec les lacs, et là, on voit une sortie de canal. Ok, je comprends mieux ce que tu. Alors, attends, on va essayer de le remettre bien. Hop, on va essayer de mettre le bon endroit. Hop. Effectivement, là, ça serait la sortie du canal qui donnerait sur ce fameux lac. Là, c'est le Ouais, carré, hein, d'accord. et on a vraiment l'impression, hein, alors encore une fois, c'est une hypothèse que les lacs jumeaux, c'était un système pour nettoyer le minerai. Et ça va tout à fait dans le cadre de l'hypothèse Paititi qui aurait été fondée à l'origine près de mines d'or. Et c'est tout un système pour nettoyer l'or, tu vois? D'accord. Alors après, Paititi aurait pris de l'importance au fil des siècles, c'est autre chose. Hein. Mais à l'origine, c'était sûrement un centre d'exploitation minière, aurifère. D'accord. Et là, Alors, c'est défriché cette partie-là, là. voilà, c'est l'une des zones qui ont été taillées. Mais on le voit un peu plus loin, j'en parle un peu plus loin. On voit que c'est récent. Oui, Hop. parce que comme on peut le voir, la végétation n'a pas récupéré. Tu vois, il n'y Oui. a aucun. Alors là, sur cette image, elle est intéressante parce que on a vu que 70% des arbres du petit plateau où il y a les lacs, ce sont des palmiers de comestibles. D'accord. Or, un Il y a palmier. quelqu'un qui en parlait tout à l'heure dans les commentaires, justement, qui te posait la question. Je ne l'avais pas mis parce qu'il y avait trop de questions. Je crois que c'était Bourriquet. Or, les palmiers en forêt amazonienne, ils ne poussent pas comme ça. C'est comme les bananiers, tu vois. Si on trouve une concentration de palmiers, ça veut dire qu'il y a une plantation. Et Et donc, donc, s'il y a une plantation, c'est une zone habitée. C'est une zone qui a été habitée à un moment donné. Et c'est l'un des indices qui nous montre que cette zone a été habitée oui, à c'est une là. époque donnée. En plus, il y a vraiment la concordance d'indices quoi, entre ça, les formes très géométriques, les Indiens, enfin les peuples natifs de cet endroit qui te disent, qui t'indiquent cet endroit aussi, ça fait quand même beaucoup de. C'est pour ça que tu dis que tu es quasiment persuadé maintenant que ça Ah mais pourrait il être. n'y a pas. Bah, attends,
y revenir. Alors là, c'est, je ne sais plus pourquoi j'ai montré cette image. Non, je... Ah oui, alors c'est vrai que les natifs de la région désignent cette zone comme Incaraï. Et Incaraï, c'est un mot syncrétique entre le Matsiganga et le Quechua. Et Incaraï, ça veut dire un lieu où il y a des ruines. Tu vois? Mais par Oui. exemple, à Lhaco Yavero, il y a des sites qui s'appellent Incaracaï. Et Incaracaï, c'est un mot qui signifie là où il y a des ruines. Non, donc Et c'est donc, encore les Matsiganga de Timpia, la communauté de Timpia, désignaient cette zone comme Incaraï, c'est-à-dire là où il y a des ruines, là où il y a les ruines. un indice concordant, quoi. Tac, tac. À Bon, chaque fois que je alors. veux descendre l'image, ça me fait changer les photos en même temps. Tant faut que je clique dessus, peut-être. Et non, pourquoi j'arrive pas à la descendre? Ah non, bah, elle est déjà tout en bas sur moi alors. Ouais, donc bon bah c'est là c'est ça revient sur le fait que la zone qui est Piano. entourée par le rond rouge, pour moi c'est le secteur principal de Paititi, le secteur architectonique principal. Alors là on est dans quelque chose d'un peu grave, c'est puisque ça fait des années qu'on essaye d'attirer l'attention des responsables politiques, mais également du ministère de la Culture, de la Jefatura, sur la présence probable de Paititi ici et des visites des huaqueros. Et le ministère de la Culture a déclaré l'un de nos derniers projets improcedente, c'est-à-dire incompatible, on va dire, avec les statuts du sanctuaire national du Megantoni, puisque la Refatour avait donné un avis négatif. Mais oui, c'est comme au Machu Picchu, pour ceux qui n'ont pas suivi toute ton histoire, où quelqu'un t'avait révélé l'existence certainement d'une porte, et qu'il y a des pierres, et donc toi, tu as fait des recherches, vous avez trouvé qu'il y avait une cavité, ça pourrait être un tombeau du fameux roi, etc. Et Ouais. pareil, on ne te donne pas l'autorisation en te disant que ça risque de faire tout écrouler, alors que c'est ridicule, quoi. Oui. Alors Je ne sais pas comment là réagir, quoi, non. mais dans le cas de Paititi, c'est encore plus grave. Tu peux passer à la suivante. Alors, hop. Alors là, c'est pareil. Bon, c'est la réponse. Alors les Matsiganga vivent. Alors l'un des arguments de la Jefatura de Megantoni nous dit qu'on ne peut pas vous autoriser à aller dans cette zone parce qu'il y a des natifs non contactés. Ouais. Or, ces natifs, nous, on est en contact Vous avec eux. connaissez. Tu vois, il y en a deux là. Ce sont deux Kukapakuris. Et ils ne sont pas du tout non contactés. Ils ont déjà des contacts, notamment avec nous, mais avec les communautés qui vivent sur les rives du rio Urubamba. Donc D'accord. c'est un faux argument utilisé par la Jefatura. Mais oui, c'est comme pour le Machu Picchu, c'est vraiment on voit qu'il y a vraiment il y a vraiment une intention de vous mettre des bâtons dans les roues, hein, clairement, hein. Alors est-ce que Hein? c'est parce que tu es français? Est-ce que c'est parce que Je crois que c'est c'est autre voilà. chose. Je crois que c'est autre chose, mais on va La en reparler. pénalité On va ciblée. en reparler. Tu peux avancer l'image. Le fameux ancien président, oui. Ouais. Bon, ben là, c'est les communautés qui vivent dans la région de la Montagne Carrée. Il y a aucun natif qui vit sur la Montagne Carrée ou sur la zone des lacs. Il y a quelques familles qui vivent dans un périmètre de quelques kilomètres, 30 kilomètres, mais sur la montagne même, c'est un site sacré pour eux. Donc, il y a personne qui y vive. Alors, je me permets de te couper pour dire au revoir à Marie. Un grand Merci merci à toi. Marie, un gros bisou. Un gros Ciao, bisou. ciao. Tu verras le replay pour la suite. Alors, en même temps, quand tu... On va profiter pour lire les deux commentaires suivants. En même temps, quand tu dois obtenir une autorisation dans les fouilles par ceux qui ont eux-mêmes pillé le site, ouais, c'est un peu ça qui va nous expliquer Et Thierry. effectivement, je pense qu'on n'est pas loin de la situation actuelle, encore une fois, qu'on n'arrête pas de dénoncer. C'est ce que nous Et dit aussi Oscar Chico. Ok, voilà. allez. Et donc, alors là, vas-y, bah c'est pareil, Les natifs. les natifs qui vivent dans cette région avec laquelle
On travaille. Alors là, une question importante, c'est Paititi localisé et Et déjà qui est payé. Et là, on le va donner titre de des ce indices. soir Ouais, voilà. que tu Et m'as dit. donc, tu peux passer à la suivante. Donc là, encore la zone où, selon nous, le secteur principal de Paititi se trouve. Ah, pour toi, il ne serait pas dans la montagne carrée même, mais plus à côté, hein? Mais dans la montagne carrée, il y a également des secteurs d'habitation. D'accord. Mais le cœur de Paititi, à mon avis, c'est auprès des lacs jumeaux. C'est ce que l'on voit. Alors là, ce que l'on montre, c'est la zone de décharge possible, c'est-à-dire où c'est là où on pensait descendre en hélicoptère en 2019, en descendre en harnais, parce que c'est le seul endroit ouvert de la région, qui fait 15-20 mètres de long. Et donc, en 2019, c'était l'idée de descendre en harnais avec le matériel, le moulinet, etc., etc. Malheureusement, on n'a pas pu le faire. Mais là, Mais tu me disais qu'ici, c'était la végétation dans de l'eau quand même. Et ici, non. oui. Alors, ici, c'est de la terre Là, ferme. c'est de la terre ferme, D'accord. ici. Donc là, ça a été défriché sûrement aussi. Non, non, c'est comme une presqu'île qui sépare les deux lacs. Ça D'accord. n'a pas été Non, c'est plus défriché. naturel. Les parties défrichées, on va les voir un peu plus loin. Mais on les voit là déjà. Là, on voit un carré et un triangle. Alors, hop. Hop. Voilà. Là, Là, c'est plus. c'est les zones qui ont été défrichées. À gauche, tu as une superficie de 50 mètres sur 50 mètres qui correspond peut-être à un ancien camp de base. Et à droite, tu as une espèce de. Angle. Tu as une superficie triangulaire d'environ 80 mètres de côté qui devait permettre à un hélicoptère du type Mi-17 d'atterrir sur ces zones-là en utilisant la zone ouverte du lac. D'accord. Mais parce que comme tu expliquais, ces fameux gros hélicoptères n'atterrissent pas verticalement, mais un petit peu en roulant, quoi. Tout à fait. Et donc, quand on a survolé la zone en 2019, eh bien, on s'est aperçu que ces fameuses zones défrichées, eh bien, la nature n'avait pas encore récupéré sur ces zones-là, ce qui montre que jusqu'à une époque récente, il y a eu des entrées clandestines dans cette zone. Malheureusement. Donc là, c'est pareil. Maintenant. Tu me donnes, il y a quelqu'un à la porte, je vais répondre. Je Vas-y, vois. vas-y, bien sûr. Je vais en profiter pour regarder un peu. Mais vous avez vu, les amis, c'est passionnant vraiment. Alors attendez, je vais regarder à combien de temps on est. Je crois que ça fait déjà. Alors attendez. Hop. Ah oui, on est à 2h presque 40 de vidéo. C'est tellement passionnant qu'on ne voit pas le temps passer. Je pense que vous êtes d'accord avec moi, les amis. J'en profite pour vous présenter José, qui est Ah ben, le attends. vice-président de l'Institut Incari. Je mets en Buenas. gros plan. Un abrazo. Et Bonjour. on travaille ensemble depuis 2009. Oui, on le voit souvent dans les vidéos, hein. Ouais. Les Et collaborateurs. on a travaillé avec les momies, à Machu Picchu, etc. Donc les internautes qui nous suivent à Paititi depuis toutes ces années connaissent Mais oui. José. Ça fait plaisir de le voir. Tu peux lui dire que ça fait plaisir de le voir. Qu'est-ce que tu dis? Et tu peux lui dire que ça nous fait plaisir de le voir en direct. Si, están felices de verte. Alegría. Pour lui aussi, c'est un plaisir. Merci. Alors, on voit que on en est presque à 2h40 de vidéo et on a quand même 41 personnes encore en direct. Alors moi j'ai une petite chaîne, hein, je ne suis pas nul à télé encore. Et Bah, on y a... va peut-être accélérer un peu pour expliquer les photos satellites. oui. Mais je veux dire Alors, les que... deux, parce que sur les photos satellites, on voit des ruines. Et les deux coupes d'arbres que l'on a vues, à mon avis, c'est les coupes d'arbres de Fujimori, du président Fujimori, puisqu'il y a des rumeurs voilà, ça a été fait depuis l'hélicoptère et qui Bien. confirme les coupes d'arbres, qui ont d'ailleurs été confirmées par les pilotes de la police qui nous accompagnaient, qui nous disaient que c'était. Tu vas vite, hein, mon frère. Ah pardon, mais c'est toi qui m'as dit ça, excuse-moi.
Et donc, et qui confirme que les rumeurs du saccage par Fujimori en 99-2000. Et donc, ça, on le dénonce depuis des années. Et alors, le chef du sanctuaire de Mégantonie, là, tu peux passer la suivante. Quand on a essayé de dénoncer les coupes d'arbres par Fujimori aux autorités, le chef de Mégantonie répond: mais non, c'est des zones naturelles d'inondation. Ouais. Et alors, en 2016, pour aller vérifier ce que l'on avait dit, ils ont organisé le survol avec cette avionnette. D'accord. Et l'un des gardes-parcs qui est sur la photo a écrit un rapport du Bien survol. Alors là, passe sur la photo suivante. Et là, dans son rapport, il dit que en raison de changements de dernière minute, on n'a pas pu survoler la mais zone des non. lacs et la montagne carrée. Il Quand le même dit à pas. deux reprises. Et pourtant, le chef du sanctuaire de Mégantonie se base sur ce document pour nous dire, pour dire, mais non, ce ne sont pas des coupes d'arbres, ce sont des zones naturelles d'inondation. C'est-à-dire que le mec, il ment Il est total. parce qu'ils n'ont pas pu survoler justement la zone. Et c'est sur la base de ce document que le mec nous fait chier depuis ces dernières années. Et ça s'appelle, c'est un délit, hein, c'est un délit, ça s'appelle ici omission de fonctionnaire. Ah oui, c'est de la corruption. Le problème, c'est que comme tu as expliqué Voilà. rapidement, là, ça serait l'ancien président et qui a encore sa Mais fille actuellement influente. Donc, exact. Alors, vas-y, on forcément. avance. Alors, c'est une situation qui est. Alors, c'est pour ça qu'on a. Tu Alors, m'as tué. Tu là, m'as c'est tué. l'un des derniers. C'est l'un des derniers projets qu'on a présenté. Là, c'est différent. Alors là, c'est toutes les zones qui sont en rouge. On va les voir en photo satellite. Ce sont des zones où on a détecté des ruines. Ah oui, ben là on voit l'endroit qu'on a vu tout à l'heure, Oui, hein. alors là, les autres, alors là, tu vois la photo, le chiffre 1, on va voir maintenant les photos sentinelles. Là, ah oui, d'accord, ici, je n'avais pas vu. Voilà, alors là, le prochain, voilà, là, il faut réduire. Alors, hop, tac, tac, hop, Voilà. on Alors peut. là, alors il faut vous dire qu'en mai de l'année dernière, j'ai été contacté donc par un ingénieur de l'ESA qui s'appelle Nedor. Il est allemand sur la branche de l'ESA allemande, qui s'intéresse à mes recherches à Paititi et qui a, à partir de photos sentinelles du projet Copernicus, il s'est aperçu que dans cette zone-là, il y avait quelqu'un qui avait coupé une si. Qui avait coupé la végétation sur 130 mètres de long pour 10 mètres de large, et on voit des ruines dans ce secteur-là. Donc, c'est l'image suivante. Là, c'est où on est en rouge, hein, qu'on va voir. Hein. Ouais, c'est le secteur D'accord. en rouge. Ok. Voilà, alors, je Ah sais. oui, c'est clair là. Alors là, c'est une photo qui a été prise le 7 août 2019, c'est-à-dire un mois et demi avant notre opération. Ouais. On Et voit là, bien que là, c'est à cause des nuages que c'est un peu flou. Hein. On voit qu'il y a le nuage ici. Je pense que c'est là. on voit bien la Terre, c'est-à-dire que ce défrichage a été réalisé quelques jours à peine Ben avant l'image satellite, parce que on voit bien la Terre, il y a aucune végétation qui a repris. ah, il Et n'y a même pas d'herbe, il n'y a rien du tout, quoi. dans le cercle, eh ben, on voit bien des édifices, on voit de l'architecture. Ah, là, on voit des formes très droites, oui, effectivement. Ah ben, tout ce secteur-là, c'est de l'architecture. Donc, l'existence d'un site archéologique dans cette région, ce n'est plus une hypothèse, c'est une certitude à 100%, puisque on voit les ruines, on voit des ruines dans ce secteur. Eh oui, maintenant tu es sûr qu'il y a quelque chose. Est-ce que c'est Païtiti? C'est là où il y a encore un petit doute, mais en tout cas, il y a quelque chose, quoi. Mais c'est là où on voit l'importance d'avoir des yeux aguerris, avertis comme les tiens, parce qu'effectivement, moi, tu me montres ça vite fait. Bon, ben, je fais pas gaffe, quoi. Mais c'est vrai que Ben toi, là, qui as l'habitude, tu vois directement qu'il y a quelque chose, quoi.
Ça, c'est des bases d'architecture. C'est pas du pixel, c'est pas la végétation. C'est il y a tout un ensemble d'habitations ici qui a été défriché. Oui, toi, c'est là où c'est un métier, quoi. Et alors là, maintenant, on va voir le numéro 2, le numéro 2. Alors le numéro 2, c'est toujours les mêmes images Sentinelle. C'est le même groupe, j'imagine, qui a défriché sur la montagne carrée, qui a défriché un ensemble architectonique monumental. Et tu peux Il passer cherche sur. quelque chose, quoi. Voilà. Alors là, tu vois, on voit très bien un ensemble d'édifices, la photo de gauche, un ensemble d'édifices monumentaux. Et à droite, c'est un site qui s'appelle Conchamarca, qui est dans la région de Cusco. C'est pratiquement le même plan architectural. D'accord. Eh oui. Incroyable. Et avec tout ça, ils osent vous dire encore que qu'ils veulent pas vous donner une autorisation d'y aller. Là, Et tu alors penses qu'on peut là, l'obtenir quand même. et alors tu vois, non, reviens, là c'est vraiment du monumental, du Oui, c'est type pas des petites d'édifice que maisons. l'on trouve. C'est du type d'édifice que l'on trouve dans des sites comme Machu Picchu, à Pisac ou à Choqquequirao, ce qui démontre par A plus B qu'on est en présence d'un complexe archéologique monumental, comme doit l'être Paititi. Voilà, C'est là, c'est plus, des petites maisons de paysans, quoi. et c'est ce que j'allais dire, c'est plus des paysans, c'est vraiment quelque chose un site important. Là, il peut y avoir des temples, des pyramides, des choses comme ça, quoi. Ah ben là, ce que l'on voit sous les yeux, c'est ça. Incroyable. Là, on a un troisième secteur qui a été Fiché. dégagé et où l'on voit. Là, tu passes à la prochaine. Alors, on voit une base d'édifice en forme de T. Je sais pas si les internautes Alors, dis-moi, où c'est? dans le cercle, on voit des bases architecturales également. Ouais, tu vois, toi, avec un œil averti, nous, on a du mal. Ah oui, en tout petit, là, c'est ça? Ouais. Oui, effectivement, je vois un T, moi. Alors, peut-être les internautes, selon la taille de votre écran, vous ne voyez peut-être pas, mais effectivement, on voit un petit T. Et là, il y aura un Alors, canal entre les deux. ce qui est intéressant, c'est de regarder des images satellites avant et après. On voit Oui. bien que avant, c'est pas dégagé, pendant, ça a été déboisé et après, la nature a en partie récupéré. Ouais, ils veulent vous doubler, mauvaise foi totale. Tous les internautes là nous disent que voilà, c'est vraiment de la mauvaise foi, quoi. Là, on passe au quatrième secteur. Alors là, c'est le secteur, toutes les zones en rouge et toutes les zones en jaune, ce sont des zones que le satellite SAOCOM de l'Agence spatiale argentine a détecté des traces archéologiques Ah oui, quand même. Ça en fait au radar. beaucoup. Ça en fait beaucoup, hein. Ouais. Et là, dans les zones magenta également. Incroyable. Voilà. Alors là, c'est le satellite Pléiade Néo que l'on a acquis grâce au don des internautes. Alors regardez bien les zones où il y a les flèches. Eh bien, on voit que toute la berge occidentale du lac Carré contient les bases d'édifices. D'accord. Je crois que la suivante est plus nette encore. Plus près. Ah oui. Voilà. Là, on voit des. Alors, faut peut-être agrandir, rapetisser, dézoomer. Alors. Oui, là, on voit toute l'image entière. Bon, enfin bon, on voit des structures archéologiques. Alors là, les responsables de Pléiade, ils sont affirmatifs à 100%. C'est de l'archéologique, c'est pas naturel. Et donc, ce qui tend à prouver que les berges du lac Carré ont été retravaillé par l'homme. Là, il y a des bases d'architecture. Là, toi, on voit des édifices sur la berge occidentale du lac Carré. Effectivement. Là, dans l'image SAOCOM, alors c'est au nord des lacs. Eh bien, c'est une image radar. On voit un édifice qui doit mesurer une trentaine de mètres de long en forme de L, on va dire. Là, on voit bien, hein. Alors Bien le droit. SAOCOM Le satellite SAOCOM, il n'a pas une grande résolution, c'est 10 mètres. C'est 10 mètres. Mais pour autant, on peut voir
on peut mettre en évidence alors à 100% la présence d'un édifice important à l'intérieur du cercle. Et là, ils peuvent plus te dire non, là. Incroyable. Non, parce que, encore une fois, ce sont des preuves scientifiques et la société qui nous a fait ces images nous a fait un rapport officiel dans lequel ils disent que ils sont sûrs à pratiquement, ils disent que c'est très altement probable, que c'est hautement probable la présence de sites archéologiques dans les zones qu'ils ont identifiées et qu'il était nécessaire maintenant d'aller sur place pour les confirmer. Et eux, ils sont neutres. On peut pas dire que voilà, là, c'est pas toi, ils sont neutres qui disent ça, quoi. Et ils ont l'habitude de travailler ces images. Incroyable. D'accord, super. Bon, une image un peu générale de la zone, la montagne carrée au fond et la zone des lacs au début. C'est intéressant parce qu'on la voit sous une autre perspective, quoi. Ouais, avec l'hélicoptère. Et donc, voilà. Ici, Paititi. Avec la dernière photo. Et avec toute l'équipe pour remercier les internautes. Il y a ton ami qui est chez toi là, non? Oui, ouais. Il est où là? Non. José, ah, il est là, il est derrière il est dans un fauteuil. Non, mais je parlais sur la photo, il y est. Ah, dans la photo, il est là, il est à gauche. Là. Non, oui, là, c'est lui. Ouais, comme il y a un décalage, c'est celui avec le chapeau alors. Oui, c'est lui qui a le sombrero. Excellent. D'accord. Ben voilà, là on a vu toutes les photos, les amis. Je vais revenir en gros plan. Et ben vraiment, ouais, parce qu'on va arriver à 3 heures d'émission, hein, donc on va arrêter là, je pense. Mais, et donc, pour faire court, pour vous laisser aller dormir, on prépare actuellement une opération une opération qui aura lieu au cours, on l'espère, au cours de la prochaine époque, saison sèche. On est au début de la saison sèche. On espère pouvoir le faire à une date qu'on ne va pas communiquer tout de suite pour des raisons de confidentialité, pour éviter d'être embêté par les personnes du Cernamp ou certains détracteurs, etc. Et on rendra les choses officielles après l'opération. Et encore une fois, les images satellites qu'on a pu acquérir grâce aux dons des internautes, ils n'ont pas la précision des lidars, mais ils sont suffisants pour démontrer qu'il s'agit bien d'un site, d'un complexe, d'une zone archéologique, on va dire. Et donc, oui. Un grand merci à tous ceux qui ont contribué à cette cagnotte. Ah, c'est oui, et encore une cagnotte pour pouvoir financer l'expédition future dont tu espères pouvoir faire. Hein. Tout à fait. Mais si tu veux, c'est plus une hypothèse, le fait que la montagne carrée et la zone des lacs est une zone archéologique, parce que grâce aux images satellites, on les voit. Et sur l'une des images Sentinelle, dans le secteur 2, on voit que c'est du monumental. Et qu'il y a plusieurs secteurs d'habitation. Il doit y avoir un secteur industriel sur la montagne carrée. Il doit y avoir là, sur le secteur 1, où l'on voit des bases d'habitation. Ça doit être il y a toute une petite population qui doit être destinée peut-être à la vigilance, tu sais, à l'observation, des choses comme ça. Et alors, je ne sais pas si vous avez vu, mais dans le secteur 1, c'est une... Les bases sont dans une zone assez accidentée. D'accord. Pour autant, sur cette zone accidentée, il y a des édifices. D'accord. Alors, imaginez ce que ça doit être sur les zones planes, de la montagne carrée, de la zone des lacs. Et oui, c'est une zone très étendue, nous dit Tojiro. Oui. Donc, tu me donneras… les gens, si vous voulez participer à cette superbe aventure et donc faire partie de l'aventure quelque part, hein, par procuration… En donnant un petit coup de main à l'expédition future de Thierry et son équipe Incaricusco. Comment peuvent-ils faire? Tu nous donneras le lien?
Ah bah, il y a sur la plateforme Tipeee, Thierry Jamin Paititi, il trouve l'opération, ou bien en me contactant directement par Messenger sur Facebook, et je leur répondrai bien volontiers, avec grand plaisir. Et Oui, besoin de ces. encore une fois, je pense que on n'a jamais été aussi près de l'officialisation de Paititi. Je voudrais rappeler que sur l'image Sentinelle, c'est août 2019. Ça veut dire qu'au moins en 2019, il y avait des clandestins dans les ruines de Paititi. Ah, ça fait Et déjà. ces gens-là n'ont aucun problème de permis parce qu'ils ne présentent aucun permis, Oui. etc. Et ça veut dire que Si ce tu as sont fait chaud, comme on l'a dit, eh ben, tu serais déjà là-bas en train de piller. Ah mais tu vois, nous on ne respectait pas tous les protocoles de la recherche scientifique moderne, eh bien on y serait depuis sûrement déjà pas mal de temps. Avant peut-être même les Wakiros, puisque c'est peut-être grâce à toi qu'ils y sont, puisque tu avais localisé cet endroit, tu l'as dit sur Internet, et c'est peut-être grâce à Ah mais ça qu'ils ont trouvé. c'est des fois ce que l'on se dit avec José et l'équipe Incari. Nous on est vraiment des On est on est trop cons, tu vois, Ouais, tu vois ce que tu veux dire, mais. de vouloir respecter, parce que nous, on veut donner Paititi au patrimoine mondial, au patrimoine péruvien, mais au patrimoine mondial. On veut le donner à la science. Et donc, pour le donner à la science, il faut respecter les protocoles Bien de sûr, la tout à fait. recherche scientifique. Et toi, Et, tu es mais professionnel, hein. malheureusement, tout le monde ne pense pas comme nous. Et je pense que Paititi doit être en très mauvais état de conservation parce que l'on voit, je veux dire, on n'a pas besoin d'interpréter les images, elles sont suffisamment claires pour montrer qu'il y a des entrées illégales de gens quoi dans les ruines de Paititi. Et je pense pas qu'ils y vont pour étudier les ruines, Non, si non. c'est que pour piller le site, en raison notamment du trésor d'Atahualpa. Malheureusement, leur décharge, Tout à fait, Bruquet. ils vivent, malheureusement, c'est aussi un pays où il y a beaucoup de pauvreté et les gens, malheureusement, parce qu'ils pillent eux-mêmes leur propre patrimoine, mais voilà, quelquefois, c'est pas pour les excuser, hein, mais je veux dire, voilà, c'est. Oui, bien sûr, mais très souvent, c'est des mafias. C'est un système international qui marche avec le trafic de drogue, de prostitution, etc. Et donc, ce n'est pas les plus pauvres qui en profitent. Voilà, Tu c'est ce que j'allais vois, dire. pour aller dans les ruines de Paititi, il faut un hélicoptère. Ça veut dire des moyens. C'est-à-dire que derrière, ce sont des organisations qui y vont. C'est C'est ce que pas. j'allais dire. J'ai vu une émission où on voyait les Wakiros qui pillent les tombes, justement. Là, on revient aux mines Nazca, les choses comme ça, ce genre de Wakiros. Et ben effectivement, ils expliquaient, ils pillent, mais ils sont obligés, eux, c'est pour manger, et ils se font arnaquer. C'est-à-dire que quand ils pillent une tombe, ils vendent des trucs qui vont être vendus à des collectionneurs privés une fortune, et eux, ils vendent ça une misère parce qu'ils se font eux-mêmes arnaquer. Limite, c'est eux-mêmes des victimes, quoi. Mais c'est des gros pontes au-dessus qui profitent de tout ce trafic, comme toujours d'ailleurs, hein. C'est toujours Voilà. des gros riches qui profitent des pauvres. Voilà. On va pas faire beaucoup plus long, hein, cette vidéo. On est à 3 heures pile dans 2 minutes, non, même pas deux Ouais. minutes. C'était passionnant, Bah vraiment. écoute, Je te remercie. je te remercie infiniment de ton invitation. À Euh, je toi. crois que c'est la, je crois que c'est la première fois sur un site français que l'on montre les images satellites. Ces images satellites. Et écoute, c'est un grand plaisir. Et j'espère que l'on va pouvoir monter cette opération dans les mois qui viennent. Voilà. Bah, Je si te on peut donner un fais peu d'image, j'espère, on mettra le lien. un abrazo bien À fort, ainsi qu'à tous nos amis, nos frères de cœur et nos sœurs de cœur, internautes. Et je vous souhaite une très très bonne nuit. Et on vous tiendra au courant. Il y a tout le monde qui te dit au revoir, te fait des bisous, Tojiro, tous Gros les autres. bisous, Christine. Namasté, merci à tout le monde. Comme je dis toujours, alors d'habitude je dis si vous voulez aider la chaîne, participez. Cette fois-ci pour cette vidéo, je ne vous dirai pas d'essayer d'aider ma chaîne. Essayez d'aider Thierry pour découvrir ce fameux Paititi. Et si vous pouvez donner quelques euros, chacun à son niveau,
N'hésitez pas, c'est vraiment, vous participerez, vous ferez partie de cette aventure. Et donc, c'est assez génial et voilà, c'est important. Bah Voilà. encore une fois, merci, c'était un grand plaisir Merci à et toi. merci pour le soutien de pour votre soutien J'espère. voilà quoi. Je vous souhaite une bonne fin de soirée, un bon week-end et à très bientôt. Merci à toi aussi. Que la force soit avec vous et avec la résistance, les amis. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao.